I can make love Ça va? Oui, puis non. T'es devenu officiellement hier, je crois, un homme de banlieue. La banlieue t'a absorbé j viens, quoi. officiellement. Je, je, je déteste la personne que je deviens. <laughs> je déteste la personne que je deviens. <laughs> si Thomas, 19 ans, me connaissait, je me tuerais. <laughs> je me tuerais pour que ça fasse mal en plus. Explique ce qui est arrivé. <laughs> T'étais censé aller voir. OK. Tout ça commence que j'ai toujours voulu être un noir pauvre. Oui. Ça commence comme un ça. gangster. Juste un noir pauvre. J'ai jamais voulu être un gangster parce que j'ai peur de me faire tirer dessus. <laughs> OK. J'ai vraiment peur. Juste. Voyons, tu t'identifies, mais tu veux pas euh, faire le trafic de, 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 comme les Dr. Dre. Comme ou, je sais dit Paul Mooney. Tout, tout le monde va être noir, mais personne ne va être noir. Ah, mon Dieu. Il Très guérard. Mais de, il, de il ta dit ta pas, pas le mot noir, il utilise un autre mot pour euh, désigner les noirs. OK. Super. Ça commence bien, c'est parce que <laughs> Ça commence super <pas> bien. Bonjour. <laughs> Salut, YouTube. Tu pour dire que hier, Bob le Chef m'a invité à voir le Woodland Clan. Yeah, à l'aval. La, voilà. Ma terre, patrie. Voilà, à l'aval. J'ai fait... Oh. À place belle. Oui. Oui. Mais là, je un homme de 34 ans qui veut élever sa fille. Oui. Comme du monde. Tu, ouais. Ça, ça va bien. Tu dis 64 ans. <laughs> oui. As tu t'identifies ma... finalement à un homme de 64 ans? Ta, ta, ta perception de toi-même, c'est difficile, hein? Mais j'ai mal, <laughs> mal au dos, puis euh, mon amour, attache-toi pas à mes, à, à, à mes érections, c'est bientôt, bientôt, bientôt terminé. Elle a des... On appelle ça des cours de musique, mais c'est pas des cours de musique. C'est de l'éveil musical. Un, on l'amène dans un local, dans, chez euh, un magasin d'instruments. Oui. Et Il y a une madame d'une origine pas claire qui joue du ukulélé avec un singe. Ouais, Moi je suis allé une fois, c'était malade. <laughs> je sais pas si c'est malade. Tu t'aimes pas ça, c'est tout le temps toi qui veux y aller, puis finalement tu là, tu dévoiles que t'aimes pas ça J'aime ma relation avec ma fille. J'aime peut-être moins ma relation avec ma fille et le singe qui joue du ukulélé. Les maracas en forme de coccinelle, non T'as pas trippé Moi il y a pas ça. Tu sens, c'est quoi toi C'était quoi la thématique Moi, Moi quand je allée, c'était les insectes. C'est du xylophone, ouais. mais juste un bout de xylophone, pas le xylophone. Là, tu tapes sur le xylophone. OK, mais faut là, commencer. Tu tapes des mains. Il y a toujours un enfant qui court autour d'un autre, je ne suis plus capable. Ah. Élevez vos enfants, Calice. <laughs> Élevez vos enfants, ils font peur à ma fille. <laughs> il... Mais non, mais lui, il y a de l'énergie à dépenser, je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait qu'il fasse il des de la gymnastique. Il peut dépenser plus loin. <laughs> la gymnastique. Okay. Je pense que je vais y aller la semaine prochaine. Non, j'aime ça. OK, parfait. J'aime ça. Fait que là, tu es allé au cours de musique. au cours de musique. Alors, j'ai fini trop tard pour me rendre au concert. Ouais. Quand je me suis rendu au concert, il y avait beaucoup, beaucoup de voitures pour se stationner. Ouais. J'ai fait non. Tu fait demi-tour? Non. Ça fait qu'il y a un homme de banlieue qui est parti ouais. d'une banlieue, qui, qui s'est rendu jusqu'à l'autre banlieue, qui a pas trouvé de place de stationnement pour aller voir le Wu-Tang Clan. Ça fait que t'as quitté parce qu'il n'y avait pas de, je répète, pas de place de stationnement. Honte. pas C'est la chose la moins Wu-Tang. C'est ce que Olderly Bastard aurait fait. Si il était... aurait fait demi-tour. <laughs> Bastard, il aurait fait. S'il n'y avait pas de place de parking. S'il n'y avait pas de place de parking, il serait Tu mal... savais quand ils ont enregistré le remix de Fantasy de Mariah Carey avec ODB. Ouais. Euh, il restait en studio toute la journée il refusait de rapper il faisait juste chiller puis il arrêtait pas de commander des affaires extrêmement dispendieuses genre il était comme ah si vous voulez que j'enregistre la toune euh, envoyez moi des valises Louis Vuitton puis là il payait plein de valises Louis Vuitton puis finalement il enregistrait pas puis le lendemain il demandait d'autres affaires d'autres affaires. puis là il appelait Maria Carey parce que Maria Carey est productrice de ses shit mm -hmm. puis là elle faisait comme non c'est vraiment lui que je veux tant aussi longtemps qu'il demande des affaires donnez-y des affaires jusqu'à tant qu'il enregistre sa track puis il a enregistré sa track puis ça donne une chanson légendaire mais. Tout ce qu'il euh, dit ouais. dans la chanson? C'est dit genre Japan! New hey! York in the house! Il fait juste nommer des places in the house. Ouais. ça a coûté genre 385 000 Ouais, mais c'est un bon remix. C'est un bon remix. <laughs> fait que, ben, mon amour. Ah, oh, mais le plus drôle, oui? c'est que je, moi, j'ai mal booké le, 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 le podcast. J'avais Dominique Babek qui va être ouais. au podcast bientôt, qui je il est rentré dans le studio. Je lui oh non, j'ai oublié, j'ai booké quelqu'un d'autre. Puis il avait bonne affaire, j'étais chez Wu-Tang. J'étais chez wu -Tang. <laughs> <laughs> J'étais au concert de Wu-Tang, puis ma pilule n'a pas encore débarqué. Fait que je suis mieux de ne pas filmer. C'est exceptionnel. Tout ça, c'est bon. Lui, c'est plus Wu-Tang que moi. Lui, il est complètement plus Wu-Tang ouais, que Wu -Tang toi, que mais euh, je suis fière de toi, mon amour. Bienvenue dans le monde des banlieues arts. Ah, puis je te sens y aller avec Bob le Chef et euh, un gars de Black Tabou. OK. Ce qui est le meilleur. <laughs> mais je pense qu'ils sont de allés, de les tous. deux. Ils sont allés. sont plus Wu-Tang que toi. Ils sont plus Wu-Tang que, Wu que moi. Black Tabou et Bob le Chef sont plus Wu-Tang que moi. Fait que toi, tu vas continuer l'éveil musical, puis ouais. euh, eux, ils vont continuer à être plus de Lâche pas, mon amour. Ou lâche. Ou, ou lâche. Tu devrais lâcher. Parfait. Tu lâcher. Hey, mon amour, on, on matche encore. ouais mais là, on, a porté, on, on porte notre neutre de scène, comment? On... ça. <laughs> <Je comprends> ça. <laughs> mon amour. Oui. Toi, tu es devenu un, un homme de banlieue, puis maintenant, on est un, un superbe duo de banlieue. Je ne sais pas si on est un superbe duo de banlieue. ben moi, je trouve que oui. Puis aujourd'hui, on reçoit un oh! superbe duo de création. Quoi? Oh, vas-y. Je l'ai compté que, que j'ai une rivalité qu'un voisin tellement que je, vois que je suis. Euh... Garde ça pour une prochaine fois parce que c'est très bon. Mais toi, tu as un problème d'alcool. <laughs> puis tu décides que c'est un party, puis t'en as pas de problème d'alcool, puis tu vas bien gérer ça. Non. Puis crie pas après les voisins conspirationnistes. Oui. Tu cries après notre voisin conspirationniste? puis là il faut aller y jaser parce qu'il y a un arbre qui pousse sur la clôture puis là là t'es gêné. Hein? Oui, je gêné. <laughs> gêné. En plus je peux pas le convaincre, j'ai dit c'est une ordre gouvernementale qui veut qu'on coupe. Oui, c'est la mais ville, oui, ça implique la ville puis Hydro -Québec. Là, je sais non, toutes les layers sont bons. Pour lui c'est une conspiration. Oui, oui, la ville, Hydro-Québec. Qu il pense que je fais partie de la conspiration Ouais oui. Donc oui. voilà. Ouais oui, ah, ah non, des... c'est ouais. bon tout ça. Il y a des pour au ciel chez eux. OK. <laughs> Des quoi? Des lampes au sel. Une lampe au sel Himalaya. Il, oh. il, 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 il a peur du gouvernement, mais il n'achète pas de rideau. fait qu'on voit sa maison. Mm. <laughs> sur ce... <ça. rire> Chloé <il> se fait <laughs> sur <les rire> avec nous. Bonjour! Hello. Bonjour, Sophie. Bonjour, Chloé. Bonjour. <laughs> nous, on est un grand duo de banlieusard, comme vous avez pu voir. Oui, on, <laughs> on l'a compris. <rire> <là>. <rire> Vous êtes de quel banlieue? De que je veux ça, tout savoir. Maintenant, on est dans le vieux Longueuil. C'est okay. ah, okay. pas le vieux non, Longueuil, c'est Longueuil. pas banlieue non plus. Oui, c'est pas trop reculé. Sauf banlieue. banlieue. C'est très banlieue. Ah, ah, ouais, mais toi, hein? c'est très banlieue. Parce que lui, n'importe quoi qui est en dehors de Rosemont, Petite-Patrie, c'est la banlieue. Je hum, comprenais. Bon, merci. Tu sais, le marché central, par exemple, au coin mm -hmm. de Descaries puis euh, oui, la métropolitaine, ouais. il pense que c'est la banlieue. Mais. Il y a un style. Il y a un style, a je un sais. Style. Un cinéma goudzo, un vinigam c'est sûr que tu sais. Oui, les éléments clés du banlieue. Oui, le <laughs> Oui. beaucoup tout de stationnement, ça évite beaucoup de problèmes. <laughs> Mais suis un peu devenu banlieue moi aussi, on est en campagne, quatre, euh, puis mois maintenant depuis six mois, fait que je comprends le on truc. Dans euh, une du... campagne d'aristocrate. On <laughs> n'est pas tantôt dans la banlieue. excuse moi là. On est en campagne, tu sais, c'est super beau. Je... <laughs> Il y a des chevaux et des bords de mer, des bardeaux là, tout va bien. Des traversiers, des oui, petits pénis commerces. Oui. C'est ça! <laughs> Il y a plein de mouettes partout. <laughs> mais mais j'étais contente quand je suis arrivée ici. J'ai vu qu'il y avait du stationnement parce que euh, je vis ça depuis six mois. Le, le, moi aussi, j'ai l'impression de comme, vivre ça, là, le côté genre je j'aime pas je... me parquer. Oui, maintenant. tu fais tout en voiture. Oui, je... depuis. Ouais, mais c'est le premier concert je que je vais en char. T'aurais-tu dit en... On, on, on a le métro juste à côté? C'est hein? ça. Je ne savais pas. On a le métro à Laval. Ben, parce mais que exactement. je ne connais pas Laval. C'est ça. Okay. Just Juste à côté. Oui, vraiment. C'est mon erreur tout le long. C'est mon erreur. Oui. veux. tu apprends. C'est une belle salle quand même. Le, la place belle? Absolument. T'es allé voir un concert? Oui. C'est vrai, qu'est-ce que t'es allé voir? J'étais allé voir Tom York l'année passée. Non, ah ouais. il y a trois ans, c'est vrai. Cool. J'étais enceinte. Très cool. Très cool. Tu aimé? Oui, oui. Nice. Oui. Parfait, parfait. Vous êtes donc, c'est ça, un grand. Vous n'êtes pas un duo de, de banlieusards, vous êtes un duo de création. Oui. <laughs> Depuis plusieurs années, déjà, en fait, vous lancez euh, ce mois-ci un film qui s'appelle Les Jours Heureux. 20 octobre, euh, allez voir ça. 20 octobre, exactement. Euh, mais votre collaboration a commencé avec, si je ne me trompe pas, corrige-moi si je me trompe, mais Sarah préfère la course. Oui, oui, mais aussi un court métrage de l'INIS avant ça. Fait que je ne sais pas si ça compte. C'était comme un court métrage d'école. Moi, j'ai connu Sophie dans mes études. Ok. Tu mmh. faisais ouais, tes ouais. études à quel endroit? Ben, à, à Concordia en premier. Puis En fait, c'est drôle. À Concordia, comment ça marche? Tu fais des court métrages étudiants, mais il faut que tu travailles sur les court métrages des autres. Ok. Fait que je pense que je faisais la prise de son la perche ouais. sur le commentaire un bien Non, c'est depuis longtemps là-dessus. Oui, Moi je suis ben, ben, mais là tu sais c'est rendu tu dis ma version, j'aime ça. Ah. <rire> 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 Moi ça je disais gagné. que tu faisais le son, mais après tu me dis non, je faisais l'assistance la, à la réalisation. Bon. Ah! Bon, mais moi, j'ai adopté son... Tu trouves ça ouais. visuellement plus intéressant de la terre, par <laughs> la perche? Oui! <laughs> <justement. rire> oui, ça travaille les triceps, et... <laughs> <laughs> ouais, c'est c'est ça! Fait que Sophie faisait ce court là puis, ben, je sais pas, on est devenus amis, je guess. De Charles Grenier, ah, qui est qui... Ouais, un réalisateur. Salut Charles! Oui, que je connais! Ah mon dieu, il faisait un personnage à l'époque, puis faisait des capsules web. Oui, exactement! Ah, c'est donc bien Explique-nous pas, mon amour! Ah, mon Dieu, c'est parce que je m'en souviens à peine. Je me suis dit, pis c'est un personnage de joueur de hockey ou. Euh... Je ne sais plus, c'était un. Mais c'était ouais, marquant. Mais oui, ben, c ça fait longtemps. C'était des capsules longtemps. de nature un peu humoristique. Puis ouais. je me souviens, moi, je les aidais avec leur mise en marché sur le web avec ça. Let's go. Que je faisais du, du web dans le temps. Bien, dans le temps. Faire du web dans le temps. Je ne sais pas quelle phrase un peu étrange, mais. Euh, ouais je les aidais. Je les ai un peu aidés sur ce projet-là à l'époque. Donc, une autre, une autre, une autre vie. Yeah puis euh, fait que là tu vu Sophie donc jouer Habillée bien en Ardenne Ah, oh, oui wow, c est c est ça ça savoir c'est une, une petite chiquita là euh, du début, okay. début 2000. Là. Wow. waouh puis, je sais pas, je me, pourtant, c'est drôle le lien entre la Chiquita des débuts 2000 et Sarah, dans Sarah pour faire la course. Oui. Je, pas, je sais pas comment <laughs> je me suis dit. Ouais, Moi, Sarah l'aïe. Je, pas... je pense que Sarah aïe les Chiquita qui qu font non, mais ben... c'est le don de Chloé. Elle est capable de m'imaginer dans bien des affaires. <rire> <rire> oui, je, je, je sais pas ça, Moi, c'est un tableau blanc, là. Je peux faire manier. Ouais, ouais, ouais. <laughs> mais ça, c'est la, la beauté d'une actrice, justement. <laughs> c'est une actrice, une actrice de talent. Justement, tu dis, tu peux y, faire porter un tout autre costume, puis ça va donner un tout, autre, un tout autre rendu. Fait que finalement, tu as vu ça chez elle. À cette époque-là, on pourrait dire je, ça. Oui, mais je pense que ce que je vois chez Sophie, c'est aussi comme. Je pense qu'il doit avoir un acte manqué. Sinon... <laughs> c'est <coughs> euh, parce que Sophie. Ben, euh, mon Dieu. J'aime ça quand je me lance là-dedans parce que je l'encense sens plus puis elle vient mal à l'aise. Mais, <laughs> mais je trouve que, que c'est une des rares actrices qui a une vie intérieure vraiment fascinante. Mm -hmm. Genre, tu mets une caméra sur Sophie, elle n'a pas besoin de monter C'est juste parce, parce que, que je tourne dans le. <laughs> J'ai les yeux qui deviennent grosses et ils demandent triple. <laughs> puis moi, je capote. Euh, ouais, je trouve que tout, tout passe par le regard. Tu sais, mm -hmm. Avec Sophie, c'est comme. C'est pas plate. C'était pas les mots puis mon cinéma c'est un peu ça aussi mm -hmm. c'est comme oui il y a les dialogues mais c'est qu'est-ce qui se passe entre les lignes je sais pas je pense que c'était ça que j'avais vu mm -hmm. j'ai mm -hmm. donné une, une petite pièce pour qu'elle <laughs> dise <laughs> <laughs> un petit transfert interact ouais. moi je m'intéresse à vos débuts mettons toi est-ce que tu te rappelles des premiers courts métrages Absolument. c'était tu bon non <laughs> non non mais ben là c'est parce que toi tu as vu mes mes, mes, mes non Là, on parle de mes premiers genres au cégep. Ça, c'est quand j'ai commencé. On t'écoute. Mm -hmm. Ah, oh, ouais, ouais. Mon premier film s'appelait <laughs> Confession d'un ange. Ah, <laughs> <laughs> oh, c'est tellement bon. <laughs> OK, j'ai fait ça avec euh, la directrice photo qui est rendue une grande directrice photo. Elle s'appelle Jessica Ligani. Oui, je vais en parler. Ah, euh, oh, ben parlons de Jess. Euh, on a fait ça juste elle et moi. Parenthèse, ouais. euh, si vous connaissez la série, rappelle-moi, Severance. C'est euh... elle qui fait la direction photo d'une ouais, grande ouais, ouais. série. Euh... Non, non, elle est devenue, mm -hmm. euh, elle fait, elle fait, elle fait les, les, les séries de Ben Stiller. Elle, 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 a elle... une carrière internationale. Pour moi! Une... <laughs> vous, vous êtes ici aujourd'hui, bon. <laughs> <laughs> voilà. okay. okay. On a commencé ensemble avec notre petite caméra mini-DV. On faisait ça, genre, dans le sol de chez mes parents. Puis c'était l'histoire, je ne sais plus. Écoute, tous les films de Cégep, honnêtement, se termine tout le temps avec quelqu'un qui se suicide. Fait que mm -hmm. Je pense que c'était l'ange, c'était comme quelqu'un qui s'est suicidé puis qui revient, genre, sur son passé. Une affaire mm -hmm. de même. Et je jouais dans mon film avec Jess, qui jouait, tu sais, Jess n'est pas une actrice non plus, là. Elle ressemble Moreau, par exemple. Moreau, c'est vrai. Est pas c'est qu ouais, pas Moi, c'est ça, <laughs> ça. Moi, bon, bah, okay. ah. <laughs> Fait enfin, que ça, ouais. Ouais. Ouais, allé ouais, au cégep à quel endroit? Garnon, okay. Québec. OK. Ah, yeah. oh, un. une... tu Québec? T'es-tu un gars de Québec? Un gars de Montréal. ta voix que J'adore Québec, je je fais le plus de spectacles là-bas. Montréal. J'aime Québec, mais je ne veux pas vivre à Québec. Je ne sais pas comment dire. C'est comme, j'aime plus être comme touriste maintenant à Québec. Je n'ai rien du tout contre les gens de Québec, c'est juste un feeling. Ah, trop tard, ils l'ont mal pris. Ils l'ont <laughs> mal pris. <rire> <rire> ouais, ça tard. y est, box-office, <laughs> la ville de Québec, le <laughs> <jour de rire> Trop tard. <laughs> c'est fini. Ah <laughs> oh ouais, bonne, Steve, oh, on fait assez de courts-métrages, puis dès que ça marche, ça va dans la grande <rire> ville. <rire> ouais, oui, c'est vrai, on est right, pour la grande right. ville. Je me suis au Cégep, j'avais beaucoup d'amis qui étudient en cinéma au Cégep Onsic. Ouais. Puis le dernier film en quatrième session, c'était un, un film de création qui disait, donc tu avais euh, carte blanche pour euh, faire ce que tu voulais. Et je pense que 90 des films, c'était sur l'angoisse, la page blanche. Puis là, tout mmh. tous les réalisateurs ouais, se ouais. filmaient eux-mêmes, par exemple, mettons, dans la douche, en train de contempler le vide. Puis là, il y avait une espèce de narration dessus. Ça ressemblait tous, mais c'était. Puis je trouvais ça tellement fascinant. Tu, sais, tu, dis, tu dis comme enfin, à la fin de ton parcours de cégep, à la fin de ton deck, on te donne carte blanche pour faire ce que tu veux. Puis là, ben, finalement, c'est l'angoisse-là. C'est l'angoisse. Mais Qui en même temps, je trouve ça intéressant parce qu'on doit avoir à peu près le même âge, là, mmh. en tout cas. Mais... Le 34, 36. C'est ça, 36. Ouais. Non, 37. Bah ouais. Bon. Non, j'ai dit 36. <J> on... <laughs> 37. C'est comme quelle On va t'aider. On va mettre. J'aime. J'ai 37. Moi aussi, des fois, je suis confus. J'ai me J'ai Je, je ne sais plus. On dirait que... J'ai 37. Je suis en 86. OK, oui. oui, oui, oui. J'ai 37. Moi je sais pas. Oui, oui. Mais <laughs> ça ne se pourrait plus aujourd'hui. Je ne pense pas que les, les jeunes cinéastes feraient ça. OK. Pourquoi <laughs> tu on penses? Parce que cette affaire-là, il y avait de quoi aussi début 2000, d'un ben, peu... Plus imo, ouais oui. ouais ouais ouais, ça existe ouais, ça comme plus ouais. être dans une douche regarder un peu le carrelage, ouais. ça se peut plus. Je pense pas que les gens filmeraient ça. Je comprends. Mais c'est parce que à l'époque où on était vraiment moins stimulé que maintenant, fait que il il avait oui pas de il téléphone. en effet, il y avait des fait moments où est-ce qu'on était juste ouais. comme puis surtout à cet âge-là. Tu sais même ton court métrage avec Eve, le amant chef au chef de ah ouais, 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 mode meute, ouais. mange avec son chien, tu es à la table, il, ça il se peut plus. Ça. Non bien. mais ça, ça, je pense que ce moment-là il existe plus chez les gens, sauf une personne très 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 âgée. <rire> <rire> je pense pas que les gens, tout de suite ça va être le iPad, le téléphone. Je pense pas que ça se peut, quelqu'un qui mange une soupe tout seul avec son mais chien. Mais c'est boring, par exemple, filmer quelqu'un qui regarde un écran. Très boring. Il y a pas de série, mais il n'y a pas de films qui sont faits en. Ça, ça arrive en. C'est vrai, L'action sont en 97 à pour pas avoir le texto. Je comprends, c'est tellement leste. Ouais, en plus, fait, on ne sait pas comment les filmer, ces écrans. Moi, tout... Moi comme actrice, j'ai ah vécu ouais. toute la panoplie des, des, des options. Mettre le texto mm -hmm. à l'écran. Ouais. Faire vraiment un close-up. Même. Une voix off avec un texte. Est-ce que tu serais d'accord mm. que ton plus beau profil, c'est celui là <laughs> Par en bas. Pas, donc, toute une équipe un de, de, dire, de les super temps. techniciens, <laughs> des artisans <laughs> <en> pour filmer <laughs> Avec une petite lumière. Ouais. J'avais vu oh. une, une, une expo, je ne sais plus c'était quoi, d'une artiste contemporaine qui avait fait, euh, dans le temps là, de la guerre en Syrie, euh, les, les, les jeunes avaient en fait des, des, des téléphones. C'était comme intéressant, de prenait des photos de toutes les jeunes. Réfugiés syriens avec des, des iPhones des, mm -hmm. ou des Samsung là, dans les mains comme ça. Mais elle les a enlevés, fait que ça faisait juste une lumière comme ça. Mm -hmm. ah, C'est joli. C'était vraiment beau. C'était oh. écœurant. Ça m'a vraiment marqué. Puis aussi, dans un contexte comme celui-là, ça leur donne un contact à l'information aussi. C'est comme ça ordre, que ça s'est passé ça. aussi, toute ça. cette affaire-là. Ou, non, on dit souvent, ouais, mais tu sais, les... ce qui est pète avec les. Avec les... Le téléphone cellulaire, c'est que ça t'enlève la réalité puis ça te fait mm -hmm. de t'évader. Mm -hmm. Je pense qu'en Syrie, dans les années 2010, une bonne... tu peux t'évader, je pense. Ouais, ouais, oui, oui, oui. Complètement. Complètement. Ouais, Complètement. Avoir contact avec les autres. Toi, Sophie, au Cégep, est-ce que tu participais à des. C'est quoi ton parcours, en fait Est-ce que tu as étudié en cinéma ou en non. jeu Moi, ou... j'étudie en théâtre. Okay. J'ai en jeu. Euh... La, quelle institution euh, euh, Excuse-moi. Euh, oui, euh, 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 Lionel Groux, euh, programme, de, programme de théâtre à Sainte-Thérèse, à, Saint à ouais, ouais. que tu C'était en quatre joué... ans. Dans, dans oui, temps, ça a changé maintenant. C'est trois ans maintenant? Je pense que oui. OK. Et euh, est-ce que tu as joué dans des projets étudiants, des films étudiants? Euh, pas tant que ça. Non. Non, je Je faisais vraiment du théâtre. C'était c'était vraiment intense, l'école de théâtre. Tu commences à 8 h le matin avec un entraînement, tu finis à minuit. Mm -hmm. Puis, tu as trois jobs pour être capable de payer ton appart. Oh. C'était ça, là, la vibe. Mm -hmm. Puis, tu fais tes cours généraux en même temps. Aucun temps pour rien. Je me souviens juste de peser 15 livres de moins et être très cerné. <laughs> <laughs> ouais. 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 être dans la salle de Je répète très... jusqu'aux petites heures de ma... ouais. du matin et tout. C'est quoi ton rôle préféré que tu as joué au cégep ou un rôle marquant que tu as joué dans tes études? Ah, J'ai fait du Govreau. OK. Du Claude Gauvreau. Ça m'a vraiment marqué. j'ai fait du clown aussi. OK. Qui était l'affaire que je pense qui me faisait le plus peur. Parce que ben, c'est vraiment épeurant, le clown. Le concept, le clown, <laughs> 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 <Le rire> c'est oui, humiliant. C'est humiliant, vraiment, <laughs> oui. <laughs> oui, mais c'est humiliant être acteur. Il ah, y a comme les... quelque chose qui est, qui est en lien direct. Puis le clown, tu ne peux pas mentir. C'est mm -hmm. impossible. Tu sais, c'est un, un rapport très transpa mm -hmm. transparent à ton à ton authenticité. Tu sais, C'est ça qu'on voit, tu peux pas te cacher. Tu as le nez de clown, tu as un costume, mais tu il sais, faut vraiment que tu sois là pour faire rire, puis être, être touchant, puis être... Fait que si tu si essaies des trucs, bien, souvent ça tombe à plat. Mm -hmm. faut que tu sois dans la vraie présence. C'est le meilleur exercice pour un acteur. Wow. Moi, je suis vraiment pro-clown. C'est assez... ça, c'est de l'honnêteté à 100, 110%. C'est juste euh, le, le rire très fort, la tristesse très forte. Puis ouais. tu, peux pas le, tu peux pas le. Puis t'improvises, t'es avec le public, c'est une relation qui est directe. Un clown tout seul, ça n'existe pas. C'est vraiment dans un. Mais... C'est là que ça serait oh. vraiment épeurant, un clown du sol. <laughs> dans le métro, Là, c'est la couche. On parle, on parle pas de clowns dans les anniversaires glauques. Là. On parle ouais. pas de ce genre de clown. Qu que, quel genre de clown ouais. que, vous parlez? C'est une tradition qui est plus... Euh, 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 qui vient plus de l'Europe de l'Est, de la Russie. Tu sais, c'est vraiment des clowns... C comme euh... Slava, là là, ce, ce qu'on connaît plus. Exact, exact. Hum. Tu sais, c'est aussi comment on, on, on travaille le, les rythmes dans, dans le corps. Tu sais, comment on comprend un regard qui est comique, un geste. Mais là, c'est-tu le geste qui est le plus drôle avant le regard ou l'inverse? Mmh. C'est quelque chose que, personnellement, moi, j'applique dans plein. dans faire, wow. de faire la course, j'ai vraiment travaillé de même. Là. Un regard, un geste, ouais. tout découper, les affaires. Parce que tu ne pas grand-chose dans ce film-là? Non. Non, mais c'est voulu. <laughs> oui, oui, c est, c est, oui, oui, oui. voulu. Ouais. Ouais. Exactement. Ouais. Mais euh, moi, c'est ça, bizarrement, c'est Clown qui m'a le plus euh, révélé à moi-même. C'est moi vraiment même. intéressant. Ouais. Comme actrice. Ouais. Puis donc, le, Parce le... Que le... Nous, à l'école de l'humour, pas les auteurs, moi, j'étais auteur, à l'école de l'humour c'est le cours que personne ne prend sérieux et qu'il y a des gens qui se présentent même pas. Pour ah, vrai? Ah, ah. Parce que je pense que c'est passe extrêmement dur. Il faut vraiment que tu… ne peux pas avoir une façade en clown. Mm -hmm. oh. Tu peux pas avoir d'orgueil. Or tu peux pas avoir de... ouais. ou, ou, ou si ton orgueil est drôle. OK, je comprends. T'sais, si tu joues à l'orgueil, ça peut être drôle. Ouais. Mais si tu ne fais pas rire, tu, tu, tu sors. C'est super humiliant. C'est mm -hmm. vraiment dur. Tu arrives là et il y a des gens qui te regardent. Puis... Mm -hmm. Tu as dit que, justement, être acteur, c'est très humiliant. Est-ce que c'est à cause de la vulnérabilité avec laquelle il faut que tu approches le rôle? Justement, le rôle prend le dessus sur qui tu peux Tu peux être dans la laideur, justement. Mm -hmm. Tu peux être dans des émotions très négatives. Est-ce que c'est ça que tu veux dire par là? Euh, oui, entre autres. Mais il y a aussi, c'est un métier qui est... Euh, je pensais à ça récemment. Puis Je me disais, c'est comme... C'est un métier c'est comme une relation toxique avec un amant, un euh, mm -hmm. amoureux... Euh, en fait. Oui, c'est ça, Qui te lâche mettons, pas. Il que... ben y a un temps, il te lâche pas, il te veut, esti, il te trouve belle, il capote sur toi. Euh, une semaine après, tu même pas invité au resto, il euh, y a des fêtes, tu pas là. <laughs> euh, c'est tout le temps push and pull. Ouais. C'est insupportable, mmh. cette affaire-là. Il n'y a, a pas de constance. C'est un métier qui... qui, qui, qui c'est l'indifférence qui est le plus difficile dans ce métier-là. Tu mmh. as l'impression de faire l'audition de ta vie aucun commentaire, on n'en a jamais entendu parler. Tu sais, des affaires, mmh. tu fais, c'est tellement dur, tu sais, tu pa... c'est toujours des des, 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 grosses montagnes russes d'émotions euh, liées à quelque chose qui est jamais constant, puis auquel il faut tout le temps que tu reprouves ta valeur. Mmh. C'est épuisant. Est-ce que tu sens qu'avec Chloé justement cette valeur-là, elle est gagnée vu que vous avez une relation de création maintenant qui perdure à travers différents projets? Est-ce que tu te sens comme un peu plus en sécurité, justement? Est-ce que tu sens que la je valeur que, est reconnue? <laughs> ben, mais est... oui et non. Oh, ben oui, ben non, pas okay. toujours, non. Parce que... Euh... Oui, dans la mesure, tu sais, bien, tu sais... Je <laughs> Non, mais... Ben, oui, parce qu'on a une collaboration qui est particulière, mais euh, non, parce qu'il faut aussi toujours reprouver, tu sais, c'est pas, ah, pas gagner d'avance. Mm -hmm. Euh, on peut le dire, tu fais deux femmes en or mm -hmm. à l'écran, euh, au ouais, cinéma. Ouais. Moi, je, je crée le rôle au théâtre, c'est pas moi qui le joue. C'est mm -hmm. comme. J'aurais pu penser d'emblée que ça aurait pu être moi parce qu'on se dit, ah, relation privilégiée, mm -hmm. mais non. Mm -hmm. C'est comme. C oui et non. Mm -hmm. C'est ouais, ouais, ouais. est, 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 est un métier qui. qui euh, mais c'est ça, qui, qui, qui est galvanisant, humiliant, euh, qui fonctionne beaucoup sur le. le le désir, bizarrement. Ben non, non pas, pas, pas bizarre, non, 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 non pas, pas bizarrement. Bizarre. Mais oui, quand on travaille ensemble, relation complètement privilégiée, absolument, parce que là, on a comme, on a une, une façon de parler, tous les deux, qui est comme, tu sais, on s'échange énormément, tu sais, on rentre vraiment dans un processus, puis je me sens très accueillie, puis je me sens, tu sais, où est-ce que je peux donner mon... mon opinion sur des versions de scénario, euh, des impressions, on... on argumente ensemble, on se relance, on se challenge, puis je lui fais confiance aveugle sur, euh, sur les takes qu'on vient de faire. Je ne suis pas comme... Je le je sais, j'aime je, son goût, puis je le sais qu'elle qu va m'amener à l'endroit où est-ce qu'elle est qu sait qu'il faut que j'aille. Mm -hmm. Je me souviens, quand on l'avait fait Sarah, mm -hmm. il y avait une scène euh, super dure que Jess filmait, là, tellement difficile, un plan séquence ouais. vraiment difficile dans un appartement avec des miroirs. T'sais, on avait beaucoup, beaucoup de, 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 de problèmes de techniques pas problème technique mais des contraintes techniques ouais. mm -hmm. et une scène d'émotion entre jean sébastien Courchane et moi une espèce de chicane où est-ce que mon personnage se fait dire des choses vraiment vraiment dures ou est-ce qu'il me dit t'es pas vraiment belle t'es ouais. pas, pas drôle, es pas drôle. Ouais. puis qui est comme fâché de lui-même de triper sur moi mm -hmm. et mm -hmm. puis on a fait là t'sais, tellement de takes de ça à un moment donné ça allait beaucoup dans l'émotion. Mettons, moi, je pleurais beaucoup ou lui, il pleurait vraiment beaucoup. c'était comme... Toutes les qui étaient différentes. C'était un plan séquence. Puis là, l'équipe technique commençait là, à, à, à être bien galvanisée de, de ce qu'on faisait. C'est oh, tellement bon, c'est tellement touchant. Puis moi, je regardais Chloé, puis j'étais comme... Je le sais, plus qu'on continue, puis trop dans l'émotion, moins c'est bon. Mm -hmm. Elle était comme, t'en fais pas, c'est la deuxième tech qu'on prend. Mm -hmm. Je fais juste continuer pour voir si, mais je le sais qu'on prend pas. Puis j'étais comme, wow. oh, OK. Ouais. Mmh, okay. ben, moi, je me méfie vraiment de ça, euh, les émotions euh, de l'équipe sur le tournage. Mmh. Pas, pas dans le sens qu'ils n'ont pas euh, de jugement, c'est pas ça du tout. Mais c'est une chose quand on est tous ensemble, puis on se connaît, puis on apprend à se connaître. Fait que là, l'équipe voit Sophie aller vraiment loin dans l'émotion. Fait que es comme, tu la regardes live, tu es touchée, mais à l'écran, quand tu connais pas Sophie Desmarais, pis tu regardes le personnage, ça veut pas te dire que ça va être la même Merci. chose, t'sais ou euh, je sais pas si c'est la même chose en humour, tu comme si tu rates devant des amis qui te connaissent puis mm. là eux ils vont vraiment rire mais ça veut-tu vraiment dire que le public va rire de la même façon C'est un truc qu'on fait hum. des podcasts hum. live, il y a des ouais. blagues qui tombent à plat on se dit, ils n'ont pas compris mais sur internet ça va comprendre euh, ils vont comprendre. Ben, Donc, y a ça. De quoi de qu'est-ce qui ouais. marche une salle puis qu'est-ce qui marche filmé, c'est pas pareil. Ouais, fait que je me, je me méfie de ça, t'sais, quand quand je vois que l'équipe technique rit vraiment sur un gag quand je <laughs> J'ai l'air de faire deux mais pas comme ça. Mais il, il y a des jokes dans sa réputation. Oui, il y en a même. 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 J'ai déjà oui. vécu avec, euh, avec un artiste. Elle s'est dit Moi, je veux dans mon show juste des 10. fait qu'il y avait chaque ligne. Des quoi Des 10. Il faut que le rire. Personne, ça. C'est la personne. Ok, ok, je sais. bouche. C'est à chaque 10 secondes Il faut que la blague, ça soit un 10 de rire. Ok, 10 secondes. Il faut vraiment écouter. Si c'est un gros PAF On le garde. Ok. Ce que ça a fait. Ça a fait un show d'une heure et demie avec juste des jokes sexuels. Parce ah. que les gros rires gras, ah ouais, c'est des vrai jokes sexuels. Vrai? Souvent. Ah ouais, okay. ben, Par contre, ben... si euh, ça peut fonctionner quatre fois dans un show, mais à la neuvième, dixième, onzième joke, le monde fait Je oh, suis okay. un peu écœuré ils voient la mécanique puis ça marche plus. Mm. Mais c'est vraiment vraiment une erreur de, de prendre une machine. Faire, ah ça ça arrive fort ça mais je peux je peux comprendre. Puis que... ouais. aussi c'est différent jouer au théâtre ou de voir une actrice mm. en vrai et de voir une actrice à l'écran. Ben oui, mm. puis ouais. dans un montage dans tu sais ouais. job c'est ça c'est d'avoir tout ça en tête. Puis pis donc, Chloé ouais. est vraiment bonne à préserver son histoire, préserver son style, tu te laisses tellement pas. Mm. Autant tu te tu tu comme un, un sens de c'est une vraie capitaine, mm. c'est hallucinant. T'sais, <laughs> c est, c est, c est avec le transfert interac qui revient. Là, oui, c'est ça. <laughs> mais oh. mais c'est une vraie ouais. capitaine. Tu sais, puis les, elle a une autorité naturelle, mais douce. Mais les gens ont envie d'y donner 100 Les acteurs, les chefs de département, tout le monde a envie de, de, de donner le meilleur à Chloé parce qu'elle exige le meilleur aussi des gens mm -hmm. et elle coopère avec les autres. Tu sais, Ce n'est pas toutes les réalisatrices mm. qui, euh, qui, qui, qui ne tu sais, sont pas juste dans leur égo. Tout ça, tu sais, elle, tu coopères, mais tu, tu gardes ton histoire, tu te laisses pas trop influencer, tu gardes ton ouais. style, tu gardes ton histoire, tu gardes vraiment le fil. Des fois, c'est tellement dur son travail, c'est tellement de pression que tu peux vraiment te laisser avaler par une production. Mm -hmm. C'est facile se laisser avaler par une production. Il faut vraiment tenir les rênes, t'sais, être capable de faire, ok, ça c'était bon, ils ont tout trouvé, ok, ils pleurent, mais je sais que, pas, je sais que ça ne sera pas émouvant dans le film pour telle ou telle, telle raison. Puis ça, moi, quand j'ai vu ça de, de Chloé, il y a comme quelque chose qui peut se détendre complètement parce que j'ai vraiment confiance en son regard. Je ne regarde jamais de playback. Je ne m'intéresse pas, tu sais, à, à, à regarder les cadrages ou à... Tu sais, je suis toujours interpellée par la technique, mais en tout cas, ça, ça, quand on travaille ensemble, je m'intéresse plus à, à, à me trouver un kick de plateau qu'à <laughs> qu savoir qu'est-ce qu'elle qu qu pense, tu sais, parce ça, que... Non, mais c'est vrai. Parce que je suis relaxe par rapport à ça. Je elle est très exigeante. Puis moi j'aime, mm -hmm. j'aime la rigueur, j'aime l'exigence parce qu'aujourd'hui, puis il a vraiment fallu pour les jours heureux que je me, je me, je me syntonise avec les autres acteurs, avec Maude, mm -hmm. avec Nour, avec Sylvain Marcel, parce qu'on vient, on a toutes fait beaucoup de télé dans les derniers temps. Mm -hmm. Puis la télé, ben, on se satisfait vite des deux premières takes. Mm -hmm. Puis là, avec Chloé, tu sais, puis tu sais, elle, ouais, elle ouais. est comme son, son <laughs> un neutre, tu sais, très impressionnant. Ouais. Là on fait les takes, puis c'est comme c'est rictus, mais tu sais, pas grand-chose. Le mon guérin capote, elle est comme, elle aime pas ça, elle aime pas. Puis je fais... minute, là. Non, mais Maude, c'est vrai que, pauvre Maude, quand elle est arrivée sur le plateau la première journée, puis je connais Maude, on a fait du théâtre ensemble, tu on s'adore. puis... Mais là, je pense qu'elle est arrivée, puis, tu sais, je pense qu'elle était comme... Ça faisait longtemps que quelqu'un m'avait pas demandé 12 prises, tu Non, mais c'est vrai, puis là, je me suis rendu compte, tu sais, là, puis on était une journée particulière, il y avait des problèmes avec le lieu de tournage, fait que la Bon. On est dans l'appartement d'Emma et euh, tout le monde commence à m'en aller à pas se sentir bien. <laughs> Mais genre, comme... Il y a pas mois se sentir mois, bien, là, des mois qui, qui, qui s'en va, là. Emma, c'est celle qui tourne la bande dans le film. Non, qui est elle, en fait. Qu oui. toi, oui. pas euh, moi, donc, qui est Sophie. On est dans son appart. On a fait peinturer l'appart. Et là, anyway, tout ça pour se rendre compte. On se dit, c'est la COVID. On passe des tests COVID à tout le monde. On est deux on n'était pas au congrès. Je fais... Je commence, je fais juste le dire, je, je commence à avoir une respiration un peu resserrée. Non mais, mais regarde non, elle fait moi aussi. Moi aussi en fait, je, mais, geste, là, je que je suis juste anxieuse mais j'espère <laughs> gâte, Chloé, je fais ça puis on dit que ça va pas loin. Oui, moi aussi, moi aussi. Finalement on avait raison. <laughs> sûr, finalement on avait raison. Ça as l'impression que c'est toxique. Oui. oui. Ils ont puis, oublié d'aérer. La nuit. Ils ont pris. En tout cas, regarde. C'est pas la faute de l'équipe technique non plus. Je pense que. Bref, ils se font vendre la mauvaise peinture, une niaiserie de même, ok. Euh, et on était tous en train de s'intoxiquer. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est une bonne capitaine ouais, de bateau. Ouais, tout le monde mais, ne pourrait oh, avoir un malade. Je ne peux pas mourir. Je suis Puis moi, je suis comme. Ah oh, oui, Maude Guérin, <laughs> une entrée, une autre prise. Oh my God. Mais, mais euh, tout ça pour dire que Maude est arrivée première journée de tournage dans un climat où il y avait littéralement des gens de l'équipe qui mettaient un masque à gaz. Oh mon Dieu. Tout le euh, monde à qui kit. Euh, <laughs> c'était mon, mon chef accessoiriste qui a fait la perche parce que je n'avais plus de percher, c'était. Wow. Et là, je suis Bienvenue Maude. Bienvenue Maude. Euh, mais en même temps, ben, vous avez vu le film, elle a fait un travail bonne. extraordinaire. Je regarde oui. le film, puis moi, je vois tout ce qui se passait en arrière. Je fais comme. C'est une grande, là. Waouh! Ouais. Est-ce que c'est quand ça en vend de poche? Mais c'est quand elle va chez sa fille. Quand elle va vrai, chez sa fille. C'est ça, oui, c'est ouais, ça. Je... Donc, euh, personne ne va écouter le film de la même façon maintenant, sachant ça. <laughs> mais <Ouais. rire> c'est pour ça qu'elle veut prendre un bain. juste. Elle veut prendre un bain parce que. Elle <laughs> <laughs> <la fin> de... <laughs> ouais, je... <Arrête>, elle <laughs> Puis elle s'en va parce qu'elle est comme. On... Faut que chier pas bien. Oh, mon Dieu! Mais, tu vois, on dirait que je suis condamnée. Ça, pas faire la oui, course, on avait eu aussi une intoxication alimentaire. Il y a une scène avec la mère qui est Hélène Florent, encore là, une grosse scène mère-fille. Ouais. Et littéralement, Hélène Florent, il y a un plan où elle regarde dehors. Et ce qu'elle regarde, c'est des gens de l'équipe qui vomissent <laughs> sur le terrain. <laughs> les gens, pendant les prises, là, je me retournais et je voyais du monde. <laughs> puis là, ils sur le terrain en arrière. Comme, magnifique en ouais, ouais, plus pour avoir vu le film c'est touchant puis t'as à sa mère qui va se détacher d'elle puis là regarde c'est drôle parce qu'on disait <laughs> tantôt c'est ça c'est ton ouais. ton le rythme de tes, de tes films c'est beaucoup c'est pas des c'est pas des grosses discussions tu sais, les phrases sont sont plus courtes sont lourdes de sens et tout ça ouais. on est on contemple beaucoup on est beaucoup dans la tête du personnage on, on se promène avec mais pendant ce temps-là autour c'est super burlesque mais <laughs> le les... À gaz. les gens se doutent pas là mais c'est comme c'est super incroyable <laughs> pour moi pour moi le cinéma c'est tellement artificiel tu sais, les gens <laughs> pensent que le, le <laughs> que le style de jeu est beaucoup plus naturaliste et tout ça mm -hmm. mais il faut travailler beaucoup plus fort pour, pour, euh, pour croire mm -hmm. ouais. à cause du contexte. Mm -hmm. Tandis que quand on fait du théâtre, ben, on peut vraiment rentrer dans la zone. Oui, il y a une espèce d'ambiance au ouais. théâtre où est-ce qu'on y croit tous. Beaucoup moins artificielle, bizarrement. Tandis que, c'est ça, nous, on voit le plan de caméra, mais derrière le plan de caméra, justement, il y a le, la table ouais. avec la bouffe, le perchiste. Ouais. De... Des bruits, ah, des oui, ouais, 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 ouais. que... ben, sais En même temps, les techniciens sont respectueux. Ils ne sont pas nécessairement oui, en train oui. de manger le sandwich à côté. Je oui, crois oui. que bon, c'est déjà arrivé dans... Dans l'histoire du cinéma que le craft est un peu ah, bruyant j'ai fait de des de la des caméra, scènes, mais. Des scènes d'une difficulté, là, tu sais, comme. Émotionnel, puis tu comme un premier assistant euh, à la caméra ou un deuxième là, qui est en train de texter là, ouais. devant <laughs> toi dans ton mais online, Pendant les séries même. du Canadien, ça c'est un classique. Là. As ah. comme, tout le monde comme. Oh non, ouais, ouais, ah, ouais. genre... Mais ça au théâtre aussi, au théâtre Toutes les coulisses, les techniciens, c'est ouais. incroyable. Ah. Mais pour bondir sur ce que je disais, on est déformé par le rythme de la télé. Mm -hmm. ouais. C'est on... quoi le rythme de la télé pour ceux qui ne savent pas? Ben, le rythme de la télé, c'est qu'en fait, on tourne beaucoup plus rapidement. C'est des journées qui sont tellement chargées. C'est hallucinant. Les gens ne se rendent pas compte, c'est sûr, parce que, euh, tu sais, des fois, là, mm. les acteurs ont fait des journées, on fait 16 heures par jour, tu sais, avec je sais pas combien de scènes. Puis, puis tu sais, des fois, tu regardes les call sheets, puis tu fais... La je sais pas pas c'est un horaire C'est mm. loin, mm. en fait, aussi de la télé. tu sais, ce n'est pas le même rythme. Au cinéma, mm. on essaie de préserver, je veux pas dire que c'est un luxe, parce que c'est pas se poser en être un, mm. donc préserver un rythme de travail qui ressemble à une œuvre d'art, mm. tu sais, où est-ce qu'on peut essayer de, de faire le meilleur pour la mise en scène, la lumière, le jeu, les plans de ça. Mais on est tellement habitué que rapidement on fait deux takes, puis qu'on fait Ok, c'est cool, hey, c'était super, on passe à l'autre. Puis là, tu arrives, en, tu rebondis en cinéma puis tu fais Oh mon Dieu, Voyons, on a fait 7 puis va, mon Dieu n'est pas contente. Là, on dirait on qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je dois être pas bonne. <laughs> tu sais, comme de quoi? Ouais. Ça m'intéresse. on… Oh, » ça. ok, on. on, on... Chacun, chacun votre point de vue, comment tu te sens toi en tant qu'actrice, quand tu te sens je ne l'ai pas la scène, ça marche pas Comment je me sens. Oui, quand tu fais, tu fais la scène, là, puis tu fais. Pas, Mais je... je vais tout faire, je vais m'obstiner jusqu'au bout pour qu'on la trouve. Mmh. OK. Oh, ouais, 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 même que souvent tu vas me demander, tu as un feeling que tu n'y es pas arrivé, puis c'est comme, Chloé, donne-moi-en une autre, tu sais, elle, ouais. elle va vraiment pousser. Euh, puis ouais. mon travail aussi, des fois, c'est de te rassurer de faire ouais, ouais. Euh, non. Parce que l'instinct pas... de l'acteur n'est pas toujours bon, parce qu'on n'est pas non. dans le cadre, on ne mmh. voit pas qu ce qu'il y a à l'image. Mais des fois, à l'intérieur, on a l'impression que c'était vraiment bon, mais c'était pas très bon. Puis des fois, au contraire, on a l'impression que c'était pas bon, puis ils sont comme, ah, oh, c'était le cœur. <laughs> OK, je contrôle rien. <laughs> je comprends rien. Des fois, on comprend. Ouais. Puis quand on fait des self-tapes, des fois, en audition, on nous demande ça, tu sais, de, de te filmer avec ton iPhone, d'envoyer ça. C'est là qu'on le voit. C'est intéressant parce que tu mm -hmm. fais, OK, je lis ma tape, tu t'as regardes, tu fais, oh, c'est pas tant que tu finalement. Qu finalement, tu loin. prends une que tu pas vue parce qu'il y, y, y a plein de subtilités qu'on. On peut pas contrôler comme acteur. Mmh. Il faut vraiment comme... C'est vraiment une balance entre la, la rigueur, l'intelligence et l'abandon. Il y a vraiment comme un... Il y a des... Il y a plein de choses que ça n'a rien à voir avec... J'ai planifié ça chez nous, oh mon dieu, quel battement de cils extraordinaire. C'est toutes des mmh. choses qui se passent ouais. dans le moment présent. Il faut juste être à l'écoute Mais... de ça. Tu un petit peu euh, le, le, le jeu caméra, t'sais, comme au conservatoire ou des, des, des ateliers. Puis souvent, je leur dis, c'est pas tant normal si t'es capable de me dire si t'étais bon tu t'es pas bon. Si es dans l'abandon, la tu sais pas. Mm -hmm. Fait qu un acteur qui, qui, qui le sait, c'est parce qu'il se regarde jouer non, dans un sens, c'est dégueulasse C'est mm -hmm. dégueulasse quand ça arrive. Mm -hmm. <laughs> fait que c'est pas normal, autrement dit. Mm -hmm. Puis comment tu te sens quand tu as une scène puis tu vois que les, ça marche pas? Ouais. Ben, on en a une en particulier mm -hmm. qui est arrivée sur Les jours heureux. J'ai jamais autant de prix, Je pense qu'il y en a 47. <laughs> Très euh, Oui, c'est ça! Mais... Non, mais je me rends pas là actuellement. Là. Et c'est nouveau dans ma carrière ou que j'admets quand je le sais pas. Mm -hmm. À un moment donné, mm -hmm. je suis allée voir Sophie, j'ai fait « Sophie, je le sais pas. Je, je, te, je, je ne le sais C'est ma euh, faute. C'est vrai. Clairement, moi, je <laughs> suis <laughs> pas ah, capable de t'amener là où je veux aller dans ma tête. Je le sais pas. Regarde, on en refait une autre. Je vais trouver qu'est-ce qui marche pas, puis je vais... Puis tu vois, je pense que c'est Dene Villeneuve que j'avais vu qui, qui disait qui, qui admettait des fois comme c'est pas vrai qu'on a tout le temps la réponse. Mais non non, t'es un humain, là, des fois, j'en je ai aucune idée. Est-ce ouais, que, que vous les metteurs en scène sur le plateau, vous êtes une espèce de demi-dieu, là, vous savez tout, puis c'est tout. les gens pensent qu'on sait tout. Puis je pense que quand tu rentres dans, dans cette idée-là, c'est là que tu vas te tromper. Mm -hmm. Parce que tu vas te mettre à prendre des décisions juste parce que es comme je suis supposée avoir la réponse, alors je vais donner une réponse euh, comme ça, mais c'est pas nécessairement la bonne, la réponse, tu sais. Fait que je pense que trouver la bonne réponse, c'est se remettre en question, c'est faire des erreurs, de, comme ouais. la, la, la fois où tu parlais que finalement, c'était la prise 2 qu'on a pris sur 18, mais j'en ai quand même fait 18 pour être mmh. sûr que, euh, que... Je pense qu'il ne faut pas trop... En tout cas, faut se remettre en question. Moi, je vois ça de même. Oui, il ne faut pas se laisser avaler par la, la machine, euh, la contrainte, euh, euh, de la façon de faire. Tu sais, au Québec, on a une façon de tourner, puis c'est agréable, je trouve, de travailler avec des gens comme Chloé qui... Funky. Il y a cette façon-là, on la respecte. Il y a des syndicats, on a comme des choses mm -hmm. à, à respecter. Mais aussi, on peut se laisser se laisser aller puis chercher puis, euh, puis tu comme euh, continuer ouais. à, à, à le chantier de travail, tu Puis ça, ça prend beaucoup de confiance en soi pour faire ça. Euh, je... Oui, mais tu sais, il y a des limites aussi. Là. On n'est pas... Euh... T'sais, la journée de tournage, il faut qu'elle finisse dans une mm -hmm. certaine. Euh, mm -hmm. C'est de trouver la balance entre. OK, là, cette scène-là, je vais pousser, je vais pousser, mais ça veut dire que l'autre va falloir que tu la fasses dans des délais. Fait que, honnêtement, être réalisateur aussi, c'est de la gestion d'horaire. C'est oh, beaucoup, ouais. genre, tout le temps dans ta tête. Solutionner, solutionner, OK, là, je, je vais prendre trois heures pour faire cette scène-là. J'en ai pris quatre heures et demie. ben l'heure et demie de trop, il va falloir que j'aille la chercher ailleurs. fait que Où est-ce que je vais la chercher? Puis comment? C'est comme du Tetris. De... Ouais, c'est vrai. vraiment ça. Mm -hmm. J'avais déjà entendu en entrevue Monia qui avait dit la, après ma première journée de mon premier court-métrage, j'avais pris un bain, puis j'avais réalisé j'ai tellement mal aux oreilles parce que tellement de gens me, ouais. me, me, me posaient des questions. n'avais jamais pensé à à quel point c'est exigeant. Tout le monde ouais. a besoin de quelque chose de toi. Ouais, tu es, ouais. es ouais. le gestionnaire du, du plateau. C'est de la gestion, ouais. c'est vraiment ça. Puis après ça, tu es aussi tellement dans ta tête. Puis moi, j'essaie de me faire un devoir en plus de d'être respectueuse, puis gentille avec mon équipe, puis mm -hmm. douce. Mais des fois, tu es pleine d'émotions euh, mm -hmm. négatives là. Ouais. Ça se passe pas comme... Non, mais oui, oh oui mais là, t'es ouais. pleine de colère, ça marche pas comme tu veux. Euh, telle la peinture est en train d'intoxiquer tout le monde. T'as une vie où c'est T'as Peut-être que tu te t'es chicané <laughs> avec te les euh, cœurs. Ta mère est abscénaire, mais. Mais ben ben oui, t'arrives avec ça, sais, puis il faut pas que tu le fasses sentir. Parce que. Mm -hmm. Ou des fois, ben. Ou je le disais à Sophie, je fais... Je dis à Sophie, je veux te le dire, là, je suis vraiment stressée. J'ai telle affaire, se passe, je me sens pas bien. Parce que si je... Pense moi, que nous, ça, on est très ça, transparentes. Si je peux faire là. ça avec Sophie, ça, on est, on je ne est... pas faire ça avec tout le monde. Non, c'est ouais. vrai. Moi non plus. Ouais. c'est vraiment comme un terrain... Tu sais, il y a de l'amitié, là, comme... Ouais. On se respecte tellement que, tu je peux parler des euh, problèmes que j'avais avec mon gars, mon chat. Ouais. Mais ça, oui. ça fait du bien. Je trouve que ça, ça, ça nourrit le, le travail quand, comme tu peux être dans la vérité. C'est que non, vous êtes non seulement des artistes qui travaillent ensemble, mais vous êtes des, des humains amis, qui rentrent ouais. travailler, puis à l'heure ouais. de ça, ouais. il y a des choses qui se passent. Ben oui. euh, parlons des jours heureux plus précisément. Moi, il y a deux éléments que, que j'ai beaucoup aimés. Le jeu physique que requiert un chef d'orchestre. Mm -hmm. <laughs> Parce que, donc, ton personnage, c'est une chef d'orchestre, déjà là, une chef d'orchestre femme, c'est vraiment fun d'avoir allé. Puis Tu Oui oui, bien oui, sûr. Il y en a pas des Ouais, ouais ouais ouais. C'est 4%. Ouais, mais <laughs> <Ouh>, ben, <laughs> de, de, de la, la statistique <laughs> a remonté, moi okay. je pense C'est une vieille statistique mais oui oui, puis il y a même des concours de maestras, puis ils sont, sont vraiment hâte, les filles oh. ouais. Donc, on apprend un peu plus sur ce, sur ce rôle-là qui peut être parfois incompris quand on n'est pas beaucoup en contact avec un, bon, le monde des orchestres symphoniques. Et tout, mmh. là, donc, des fois, c'est de savoir qu'est-ce que fait cette personne-là. Puis après ça, tu la regardes aller, puis tu fais, OK, elle dirige l'orchestre avec son corps mm -hmm. donc euh, comment tu sais parce que dans dans sarah dans les jours heureux on l'a dit tantôt tu filmes sophie de très proche on a l'impression de la Ça d'autre t'as fait courir tu veux oui, pas... je, sais. <laughs> ça, tu je sais pas non mais c'est pour vrai c'est le plus beau des cadeaux ça pour un acteur une actrice mm. c'est comme il a rien de plus il n'y a rien de plus satisfaisant que de sentir que tu es en confiance puis qu'on t'offre quelque chose que tu n'as jamais fait, mm -hmm. puis qu'on te dit non, mais je pense que c'est toi, tu es capable de le faire. Je veux, tabarnouche, je ne suis pas sûre, mais OK. Euh, mm -hmm. comme, ça, ça donne un sens, ça crée de la foi, ça ça, ça, ça crée une direction. Fait que, tout le travail en presse en ligne pour décevoir le moins possible. <rire> <rire> mais c'est que je trouve qu'elle qu te fait jouer. Jusqu'au bout des orteils, puis jusqu'au bout des doigts, tout le temps. Tu sais, il y a souvent des, des, des plans insérés sur ton visage, tes profils et tout ça. Bon, pour, pour l'émotion, je comprends, ou peut-être, tu me diras, pour d'autres raisons. Mais euh, je trouve que autant dans Sarah que dans Les jours heureux, on te voit jouer physiquement. C'est ça, jusqu'au bout de toutes les extrémités. Toi, comment tu approches un personnage qu'il faut que tu joues, vraiment, avec chaque partie de ton corps là? Mm. Bien, moi, je pense tout le temps à... à peut-être parce que je viens du théâtre, mais je pense tout le temps à l'aspect physique d'un rôle. Tu sais, je trouve ça euh, toujours intéressant de me, me poser des questions comme quel genre de port de tête ce personnage a, comment ce personnage... Euh, euh, c'est quoi la gestuelle des mains? Euh, c'est quoi le ton de la voix? Comment il comment regarde? Est-ce que le regard est plus par en dessous, plus par en haut? Tu sais, c'est toutes des choses qui... C'est là que je m'amuse le plus, tu sais. C'est faire ces choix-là. Puis... Avec Chloé, ben, on, on en a toujours discuté. Puis, tu sais, je suis comme. Avec Sarah, là, on s'est tellement amusé là-dessus. Là là, ben oui, il y avait tous les détails. C'est ça, on, 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 on en parle beaucoup en amont. Oui, c'est C'est pas comme laisser au hasard. Puis, comme mm -hmm. pour les jours heureux, Chloé, elle avait mm -hmm. une. une, euh, une euh, excuse que je parle pour toi. Ben non, vas-y, moi. Euh, tu avais <laughs> une, euh, un désir très. Ben, pas un désir, un... une vision très claire de la silhouette de ce personnage-là. Vous mm -hmm. voulait tout' que mm -hmm. j'aille les cheveux courts, mm -hmm. une nuque. Euh, des épaules mais tu trouves tout le temps que je suis très gymnaste là genre <laughs> parce que c'est vrai que je suis bien droite là mais tu voulais pas que ce rôle tu voulais pas que le personnage soit droit tu voulais que le personnage soit plus rond on a travaillé tu sais des épaules plus rondes mm -hmm. des volumes où est-ce que le, le, le personnage est un peu perdu dans son costume mm -hmm. plus de quand même beaucoup de douceur et de. Je tu sais c'est ma mémoire de poisson, tu racontes tout ça, puis je suis comme, waouh, j'ai tout pensé à ça. tes sièges étaient à côté, sur le même étage ici. <laughs> c'est vrai! oui oh. Oui, oui mais tu voulais que les épaules. Ben, comme moi, dans le fond. Tu voulais mm. que tout soit <laughs> si Je me vois aller comparé <laughs> à toi. Plus mm. mm. une gracieuse, petite... <laughs> une petite caverne. Oui, oui. C'est quelqu'un qui garde en dedans, fait que les émotions restent là. On le voit des fois dans certains films quand. Les comédiens, généralement, ce que vous dégagez, c'est de la confiance. Vous êtes bien dans votre corps. Puis des fois, vous... il y a certains comédiens qui jouent des gens qui ne sont pas bien dans leur corps, mm -hmm. mais ils sont bien dans leur corps. Faut qu'on Bonjour, ouais. je suis mal dans mon corps. Ouais. <laughs> c'est la, <laughs> <C 'est> la <laughs> personne la plus charismatique <laughs> de la Terre qui rentre dans oui. ah. le corps. On le voit souvent Ah oh oui, je, je pogne pas avec les filles, puis je euh, <laughs> n'arrive pas à connaître les gens, puis c'est la personne la plus belle que j'ai jamais vue. Oui. Fait que c'est ça, donc tu as travaillé beaucoup euh, ce côté-là, cet aspect-là avec, avec Chloé, puis est-ce que tu est as étudié d'autres, euh, ben des chefs d'orchestre, en ben fait? Oui, ben oui, c'est ça. ça. Pendant deux Parce ans, que... on a travaillé... Euh... Quel métier? Parce qu'ils ont ouais, l'air la de faire n'importe quoi. Parce que, euh, de l'extérieur. Quand tu connais pas ça, c'est vrai que... Quand tu connais pas ça, tu peux dire... Oh, ouais, ouais, c'est ouais, ouais, okay, okay. hyper complexe, mm -hmm. mais en même temps, c'est quand même simple quand tu le comprends. Mm -hmm. La main droite euh, est un métronome hein, mm -hmm. qui donne le tempo. La main gauche donne mes intentions, mais le chef est jamais sur la musique. Il est toujours en avant de la musique. Non, fait qu imagine, faut que tout que il faut même. que tes mains soient capables de faire deux choses en même temps. Fait que tu juste ça, puis d'être capable de battre une mesure sans accélérer, sans décélérer, en donnant, dans, c'est comme si c'était séparé en quatre ici là. Tu sais, il y a comme une. Fait faut que ce soit central et que le beat il remonte. Tu sais dans une. Faut, faut pas que le poignet soit trop tendu. Faut que les doigts soient détendus. Faut que le coude soit engagé, l'épaule, l'omoplate les pieds, pas trop de genoux, beaucoup, beaucoup de choses à penser dans, la, dans le corps d'un chef d'orchestre. Puis, c'est... Ça, 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 moi, ça m'a pris un, temps à, un certain temps à être capable de faire ces choses-là parce que je joue pas d'instruments de musique. C'est un art. C'est un art, mais wow. c'est une pratique. C'est un, un, un métier aussi où est-ce que les yeux vont vers, mettons, euh, le gars au bois, mais aussi sur la partition, puis euh, ça tourne une page, tu sais, il y a de, plein de choses à penser. Il ne faut pas que tu accélères, tu décélères en même temps ta main droite. Et les beats ne sont pas constants, ils changent. Des fois, tu es en deux temps, tu es en quatre temps. c'est pas des… c'est tout des patterns de chefs d'orchestre différents. Puis ça, c'était extraordinaire de pouvoir le travailler avec Yannick Nézet-Séguin, avec ses collaborateurs euh, privilégiés, là, Kensho Watanabe et Nicolas Ellis, qui sont des jeunes chefs euh, extraordinaires. Puis, tu sais, euh, on a travaillé longtemps, puis tranquillement, tu sais, comme n'importe comme quoi, tu sais, tranquillement, tu rajoutes une pierre, tu rajoutes une autre pierre. Là, mm -hmm. Puis, à un moment donné, tu arrives à le faire, mais c'était long, là. Puis, je suis pleurer aux toilettes, là. <laughs> je peux comprendre. <laughs> tu sais, je veux dire, c'est hyper exigeant et je, et je voulais être sûr que je ne fasse pas d'erreurs. J'étais vraiment obsédée par ça. Chloé était comme hey, « C'est pas grave, si tu fais des erreurs, là, des... au là, pire, Marie, là, le grand, grand public va ouais, oui, sais, puis... Je voulais qu'elle s'enlève un ouais. peu de pression, mais elle est arrivée avec un Elle a dirigé tout ce qu'on entend dans le film de A à Z. Wow. Wow. Ouais, ouais, ouais. Bravo! Ben, ouais, oui, c'est ça. Tout ça. Mais... Ouais. Oui, oui, mais tu aurais pu faire non, mais sincèrement, Sophie, tu aurais pu faire mm. avec ah, Est-ce bout là, là Chloé, le là, garde, tu ressens un gros plan, moi je suis pas capable. » Mais je suis pas capable, tu sais. pas non, non. J'aurais eh, 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 compris, tu sais, ça ce bon, c'est trop eh, difficile. Le monde pas. à la maison, ils savent pas que et je l'ai pas. pas. <laughs> non je mais. Je n'aimerais pas d'autres acteurs mais qui ont fait des films de chefs d'orchestre et qui n'ont pas eu cette même rigueur-là, tu sais. Moi, je le sais, mais les musiciens aussi le savent. Je suis même devant 60 personnes. J'entends. Les musiciens, ils savent que je fais pas la bonne affaire. Mm -hmm. Puis, faut que je supporte d'être regardée par une équipe technique de 35 personnes, ah oui. 60 musiciens, puis me croire ouais. dans quelque chose qui est extrêmement loin de moi. Fait qu'il fallait que je, parte, que je passe dans un, un tunnel obsessionnel, pas capable de chausser les chaussures du rôle. Mm -hmm. Mais peut-être que d'autres acteurs auraient pu travailler différemment, plus simplement. Mais moi je pas été capable non non je sais je que me serais te, pas te, cru te croire là dedans mais ça donne moi je trouve que ce que tu as fait c'est hallucinant là, ça, ça donne il y, un, il y a un degré de vérité dans le film comme grâce mm -hmm. à ce travail là que tu as fait que moi je j'en reviens pas avec euh, l'orchestre puis Yannick tout ça puis tout a été survérifié, il y a comme mm -hmm. puis les autres, autres c'était le fun parce que, parce que mettons j'avais des zooms avec Yannick avec les avec les autres puis puis euh, on se voyait aussi en live puis tu sais je leur disais mais OK, mais toi aussi, il faut que tu te mettes dans la peau de Emma, qui a 30 mm -hmm. ans, qui est dans ce poste-là. Tu n'as pas l'aisance que tu as mm -hmm. aujourd'hui. Il y avait comme OK, OK, je dirige la 40e de Mozart, mais je ne suis pas moi. Je suis cette fille qui est. Puis, ils ont lu le scénario, connaissait les enjeux. Fait on a travaillé leur corps à eux aussi. Chloé, elle les oui, a dirigés. Oui, moi aussi, on avait un back and forth. Ouais, J'ai des un... vidéos d'Yannick Nézet-Séguin, qui est genre. Euh dans son loft là, à New York. <laughs> puis, ouais, il, ouais. Il, comme, il joue aimant puis il dit les répliques aimant, tu sais. puis, le, puis là, Il essaie de faire la posture d'une jeune femme de 30 ans qui c'est sa première femme en maintenant symphonique. <laughs> mettons, là, ça, je veux voir Pourquoi bon. il n'y a plus d'extra Yannick... des DVD, ouais. pour vrai? Parce que ça, ça, ça serait <laughs> bon. C'est vrai. Ouais. puis là Mettons-moi de faire une note audio. « OK, Yannick, à, à, à la minute 1.12, euh, je comprends pas ce que tu fais avec ta main droite, t'as comme fait un geste qu'on avait comme pas prévu, c'était quoi le geste -là? quel geste? Ben ce wow. geste-là, Ah oh, mais ça... Puis là, tu sais, parce que les autres, ils font des trucs tellement instinctifs, mm -hmm. puis euh, le but d'un chef d'orchestre, c'est de pouvoir euh, rendre physiquement l'intention du compositeur. Ouais, c'est comme si la musique les traverse, mmh. euh, si les inspire. Si musiques, le corps tu sais. est tendu, la musique va être tendue. Mmh. Wow. Mmh. Si le corps est vaste, la musique va être vaste. Mmh. Si le corps est précis, puis qui est très comme... Ça, le A, ça va être euh, plus sharp, plus... C'est un travail exceptionnel. Là. Moi, mmh. je fais comme j reviens pas que les que c'est ça leur vie, mmh. puis qui mmh. vivent dans des œuvres d'art tout le temps, mmh. puis qui essaient de trouver la, la plus haute version d'une d'une pièce parce qu'ils l'ont en tête hein, mm -hmm. parce qu'ils sur leur, sur leur partition ils ont tous les instruments c'est hallucinant je sais pas comment ils font enfin, c'est des wow. génies ouais. ah, absolument puis c est c est je trouve qu'on s'en on s'en rend, rend compte en les voyant travailler ouais. en voyant travailler moi j'étais extrêmement impressionnée en les voyant aussi les, les, les chefs d'orchestre de l'orchestre symphonique etc et euh, quand on écoute différentes versions de différentes exact. orchestres on se rend compte de la différence ouais, ouais. Ouais. Oui, oui, Chacun vraiment. son interprétation. Oui, vraiment. Puis là, c'est bien technique, mais tu c'était tellement le fun, toutes les conversations qu'on avait en amont avec Yannick sur le tempo des pièces. Oui, oui, oui trouver le bon tempo en fonction, oui. en fonction de l'émotion du personnage, oui. de où est-ce qu'elle est qu mm -hmm. rendue dans le film. Elle va trop vite. Oui. C'est sûr, à un moment, ça va déraper, elle va aller trop vite à ce moment-là, ou comme mm -hmm. de trouver les détails aussi dans son corps pour exprimer comment Emma ben, va grandir dans le film. T'sais, il y a mm -hmm. comme une évolution à... Elle pense qu'elle est en confiance au début. Il y a comme quelque chose d'un peu tendu pour prendre des classes, de bons, de techniques. Fait que, tu sais, tout ça était vraiment... Euh Selon l'évolution du personnage, puis ouais. ce qu'elle vit. Ouais. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la, la chaleur des scènes, justement, euh, à la maison symphonique. Bon, ouais. le bois aide à tout ouais. ça, l'ambiance, les plans aussi avec les musiciens et tout, versus la froideur de son quotidien mmh. chez elle, mmh. l'arrière-scène, euh, mmh. dans, dans sa relation avec les autres et tout. Euh, et aussi ce qu'on retrouve dans sa relation avec son père. J'aime tellement tes échanges avec Sylvain et Marcel, tu, sais, tu dis que bon, euh, tu ne donnes pas dans le cinéma humoristique, mais il y a des moments où j'ai éclaté de rire mmh. à cause de lui, son jeu, parce ouais. que... Je connais choix. cet homme. Oui, 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 oui. Je connais les phrases qu'il dit, je les ai entendues. C'est ouais. un, un ouais. père québécois euh, qu'on connaît ou en tout cas que je connais bien. Ouais. Fait que ça me faisait rire et, ta, et, et la façon qu'Emma reçoit ça, puis que des fois ils disent des affaires, ces gens-là, que t'es juste comme, mais qu'est-ce que je réponds à ça? Avec un ben oui, sourire. Puis toi, t'es juste comme, mais ouais. what the fuck? <laughs> qu'est-ce que je fais qu -ce avec qu ce qu'ils viennent de ça? me lancer? Ouais. Ah, je trouve ça tellement, euh, tellement bon parce que justement, puis des fois, il est vraiment dans la bonhomie, mais ce qui dit c'est atroce. Ben, c'est es ça fois, la manipulation ouais. du personnage. Ouais. Avec Sylvain, on en parlait on était comme si tu joues le méchant tout le temps, je veux dire. Euh, un, là, ça va être juste que, Les ouais. vrais méchants d'envie sont pas ça. méchants de même. Ouais. C'est comme ils vont. Ils vont t'envoyer une, une, une critique, mais avec le sourire. C'est une blague. Oui, mais Puis dans là, le fond, c'est comme... Pourquoi <laughs> je me ben, sens pas bien? Le meilleur exemple, c'est Trump et Illara. Trump et Illang. C'est ça, c'est fou, ouais. c'est dit avec tellement d'assurance, tellement de sourire que as comme le goût d'embarquer. Ah, c'est pas C'est comme... mm -hmm. ça, ouais. Mm -hmm. euh, fait que puis, puis souvent, il était vraiment bon pour catcher les, les nuances. T'as-tu écrit en passant à lui? Ou non. Puis ah. ça, j'ai pas de malaise à le dire parce que ça a été, ça a été dit ouvertement, même c'était Christian Béjean qui devait faire euh, le rôle. Mm -hmm. Puis euh, Christian, euh, quelques semaines de tournage, avant de tourner, euh, écoute, Christian a un horaire quand même de mm -hmm. premier ministre, puis finalement, écoute, ça marchait plus, c'était pas possible. Euh, et donc, on a rencontré des acteurs, puis j'ai vu Sylvain, euh, pas en audition. Il a, il a lu le scénario, il m'a dit J'ai vraiment le goût de le faire, on peut aller prendre un café C'est sûr que j'aurais voulu peut-être qu'on fasse les scènes, mais fait que là, il me dit Si tu veux, Chloé, je vais lire les scènes avec toi. Fait il voulait que je lise Emma. Mais moi, je suis pas actrice, là. Je fais ouais, « OK, on était à croix là, dans notre <laughs> monde, là. » Puis on fait des grosses scènes, là, de, de, oui. de, de, du père euh, awkward, là, tu sais. Fait que je suis comme ben, « let's go, on essaye ça, tu sais. Mm » -hmm. Fait que là, je prends un petit texte, tu sais, puis je fais Emma. Et là, je recevais le père, tu sais, comme... Puis tout ce que le personnage devait vivre, je, je le vivais. Chloé le vivait, là pas Je mm -hmm. le... fais « Ah, c'est lui, là. » C'est mm -hmm. comme, il me fait vivre ce qu'on est supposé de vivre quand on... Pour moi, c'était clair. Là. Après ça, on a fait une rencontre avec Sophie, mais c'était déjà mm -hmm. déjà clair que c'était Sylvain. Ah mm -hmm. oh, oui, c'était vraiment... Ouais. C était, c était assez euh, évident. Puis on cherchait aussi euh, quelqu'un où est-ce que les rapports de, de force euh, mm -hmm. fonctionnent puis mm -hmm. qu'il y a comme... c'est un plaisir. Je reviens toujours au tennis. Avec, mais tu oui, pour, oui. pour moi, c'est un ouais. échange comme de tennis là tu sais ou est-ce que t'envoies une balle mais il est allé t'a chercher tu sais des fois tu, tu joues avec des acteurs mais t'envoies une balle mon dieu la balle elle roule il l'a pas pogné tu sais comme ouais. des fois il y a des gens qui sont pris dans leurs propositions puis ils se laissent moins euh, euh, influencer par, par les, les trouvailles que tu fais ou les propositions que puis avec Sylvain c'était un bonheur de tout de, de, de se challenger puis de tu sais il m'envoyait les répliques différemment puis moi j'aime ça rebondir sur d'autres choses fait que Juste beaucoup, beaucoup de plaisir beaucoup de jokes. Aussi. Étonnamment, nous, on a beaucoup ri mm -hmm. entre les ouais. textes. Mais je pense qu'on avait oui. besoin. Ben de oui, tuer. à cause de la lourdeur oui. euh, de certaines scènes. Ouais. 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 Ah ouais. Là, on a dit que c'est un film, oui, qui peut être un peu lourd, contemplatif. Mm -hmm. euh... Pas lourd, c'est le fun. Non, mais c'est quand même des, des mots qu'on a nommés, puis euh, un rythme différent de la télé où est-ce que punch, punch, scène suivante, ouais. ou euh... donc Aucune scène trop longue, ça, c'est sûr. Mais c'est ça, c'est un, le le un le style bon. que tu assumes. tu sais, on ne veut pas envoyer le message aujourd'hui que ah, c'est un film long et sans hey, rebondissement. <laughs> ce n'est pas du tout ça. Non, 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 mais comment tu clair. le présenterais, tu sais, donc... Ouais. Ben, de, par rapport à mes autres films, tu vois, t'sais, il est quand même dans la lignée de ce que je fais, mais ça reste que j'ai l'impression... En tout cas, les gens qui l'ont vu m'ont dit hey, « C'est drôle, ça dure deux ans, mais j'ai comme... » Exact, c'est ça. Moi, je ne l'ai pas vécu que... comme mmh. ça, mais je veux qu'on qu ouais, le nomme pour pas ouais, que ce soit... J'ai vraiment fait un film que je voulais qu'on soit complètement engagé avec mm -hmm. le personnage pour le meilleur et pour le pire parce que quand Emma souffre mm -hmm. on souffre un peu avec elle mais quand elle se libère c'est comme si là on est vraiment soulagé tout a, 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 a été pensé c'est un film qui est vraiment dans cette espèce d'engagement là dans, du, de, du spectateur avec le personnage c'est pour mm -hmm. ça qu'on est tout le temps proche d'Emma mm -hmm. comme on respire avec elle des fois on mm -hmm. entend chaque même ces petites respirations quand tu te diriges temps on les entend on est comme on, on est dans la tête d'Emma mm -hmm. c'est vraiment un film qui je pense est, c'est angoissant angoissant, sentir qu'il y a une caméra très près de nous? Non. Okay. Mais j'utilise des lentilles qui sont des long lens, donc je suis loin, mais je suis proche. Mm -hmm. mm -hmm. C'était voulu pour que Sophie ait pas justement cette caméra-là tout le temps. Mais ben, c'est pas angoissant. De... Avec elle. Mm -hmm. ouais. mm -hmm. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait. Ça, ça dépend toujours du projet, de la collaboration. Puis nous, les acteurs, on n'a pas beaucoup de pouvoir à part euh, ce qu'on les cinq qu'on est, qu est en train de faire, mais ce qui est choisi, la location, euh, les partenaires de jeu, euh, les techniciens. T'sais, on n'a pas, on, on on pas de contrôle mm -hmm. sur rien. C'est sûr qu'avec Chloé, jamais je vais me dire, oh mon dieu, je suis trop en gros plan. Non, non, non. On savait que c'était... On savait aussi qu'on voulait aller dans, par quelque ouais, chose ouais, ouais, de, 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 est de... Que moins formel. Ouais. Euh, plus, en fait, c'est un film qui est plutôt accessible, tu sais. mm -hmm. Le film, c'est ça, il est, il est... En fait, même, j'ai l'impression que c'est mon plus accessible. Oui, là, moi, je, je, pense le, sens, euh, mm -hmm. je ouais. le sens généreux dans mm -hmm. comme oui, oui. ce qu'il y a à donner. Puis... Parce que oui, puis j'ai cassé un peu les lignes, c'est comme ça que je l'appelle, parce que dans mes autres films, je pense que je suis justement dans quelque chose de plus formaliste, dans quelque chose de plus... Puis là, j'étais comme, non, caméra et Paul, on brise un peu ces lignes-là, tu sais, parce que mm -hmm. c'est l'histoire d'une chef d'orchestre, justement, qui... Qui veut, qui veut briser la technique, qui, 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 qui veut juste comme s'abandonner. Fait j'étais comme, ben moi, je pense que c'est la même chose qu'il faut que je fasse dans ma mm -hmm. mise en scène. Mm -hmm. Quelque chose de plus accessible. Mm -hmm. Puis ce qui est propre à toi, puis je trouve que ce qu'on ce qu voit dans tes autres films aussi, puis que tu fais bien, c'est que euh, Chloé est capable d'écrire pour des personnages introspectifs. Euh, intraver mm -hmm. mm -hmm. ouais. souvent les, les femmes euh, au cinéma les hommes ça des hommes introvertis un peu lugubre un peu impassible par exemple oui. c'est de Niro, là de Niro, ouais, tout tiroles ouais. ouais, ouais, ouais. ah, bah ouais, ouais. ouais. mais des femmes introverties euh, là par exemple attention peut-être que c'est pas assez aimable. peut-être que c'est pas assez c'est si, trop froid ah ça je l'entends souvent on l'entend que mon cinéma est froid que mes personnages féminins sont froids ça c'est comme ça je oui puis en fait, des fois, je suis comme... Mais dans, dans, ben, dans on n'est ma pas tout le temps... Ben, parce ben, que ça ben revient oui. au bon vieux principe que la femme ne sert pas toujours tout le temps à exciter, puis à plaire, puis à ou faire sentir bon les autres, ou bien, être, ou être une grande séductrice. Elle peut ou, aussi comme... avoir des enjeux professionnels et familiaux, mm -hmm. et amoureux, oui. et, mm -hmm. et avancer dans des défis typique d'une femme de 30 ans, mm -hmm. artiste, dans ça. une ville. <laughs> mm. <laughs> bien, ben, <laughs> c'est ben ça. ça. <laughs> ça pour moi, en fait, c'est bien plus ça, la réalité, ouais. que le, le contraire, en tout cas, dans, ouais. dans, dans, dans mon cas, euh, j'imagine. C'est un, 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 un petit peu en réaction à ça, puis je suis comme, mais, mais les introvertis dans la vie, ils existent. Pourquoi on peut pas mm -hmm. aussi les montrer à l'écran? Mm -hmm. Mais ça, ça c'est ça C'est pour aller chercher ce qu'on n'est pas capable de voir dans la vraie vie. Moi, en tout cas parce que je trouve ça bien plus fascinant je trouve qu'il y, qu y, qu y a comme plus de nuances il y a plus de subtilité plus de complexité aussi euh, puis je pense que tu, tu, c'est pas parce que es introverti que tu ressens pas des émotions mm -hmm. dire, en fait moi je suis quand même je pense quelqu'un d'introverti mais <laughs> tu les voles Je, je suis euh, euh, ouais. très introverti moi je suis très extraverti moi je sens rien mais je le crache ouais. Ça, ça, y a, ça, y a ça y a sort vite, ça sort vite. Ça qui sort vite, ça sort vite. Puis elle agape tout. Ouais. <laughs> oui. oui. Ben, mais je pense que je vis ça dans ma, ma, ma relation aussi avec Kat. Ouais. C'est un peu. Mm. Un peu c'est ça, oui. ben, c'est ça. Mm. <laughs> ouais. Ça sort, ça sort. Ouais. Puis toi, t'es là, petite promène, puis tu te promènes. Mais j'aime beaucoup, tu sais, je l'ai beaucoup senti dans le film, justement. Notamment le plan où tu la suis en arrière-scène. Elle sort de scène, elle rencontre ses amis, elle rencontre. Puis. Ça m'a tellement fait penser à un peu nous aussi, ce qu'on vit et tout. Puis on, on la suivait. Puis à un j'étais comme, oh, je sentais que mon émotion était exactement celle du mmh. personnage. Puis là, c'est là que j'ai fait comme, ok, pour moi, c'est un, c'est un grand film, c'est une grande œuvre. C'est comme quand tu lis un bon livre puis que tu le fermes puis que tu fais comme, hey, je vivais, j'étais, j'étais dans la gang, mettons, là, que je... puis je vais m'ennuyer deux. Là, j'étais comme, oh mon dieu, je, ça y est, je le sens, j'ai des, fris... oh non, ok, c'est là que je, je vis mais avec merci. elle. Mais ouais. que... mais tu sais, c'est tout en l'honneur de Sophie parce que c'est. C'est sûr, elle est tellement engagée dans son, dans son rôle. Tu sais. mm -hmm. En fait, tu deviens le personnage. Tu comme un. Tu joues pas, tu es juste comme. Mm -hmm. fait que, tu mets une caméra, tu la suis, puis tout tout tout, tout se passe. C'est vraiment ça. Mais c'est parce que tu t'y attardes. Je Je, Moi, que... Que je te renvoie <laughs> le compliment, mais c'est parce que ça t'intéresse, tu oui. t'y attardes, parce mm -hmm. que. Moi, je pense que c'est un, un, un affaire de, de, oui. de, de regard, de mise en scène, de, de beaucoup de, de choses qui t'appartiennent. C'est les deux. <laughs> c'est ration de couple, ça se passe à deux. Pendant le couple, oui. c'est <laughs> comment diriger sa blonde? Oui, 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 oui. Après cette expérience-là, on a fait, on oh, refait ça, c'était vraiment bizarre. <laughs> c'était vraiment bizarre. Mais on s'était mis, mis là. Nos jumeaux avaient sept mois quand on tournais le film, il faut le dire. Kat, euh, elle, est, elle sortait à peu près de son congé de maternité. Fait que là, Elle arrive sur le plateau de tournage. Elle, elle, elle tourne plus depuis, depuis plusieurs mois. Là, elle arrive, en plus, on tournait de nuit. Puis là, elle était. Là, je suis. En tout cas, c'était vraiment bizarre. On a trouvé ça. Mais je pense que ça a brisé la glace de quelque chose. Mm -hmm. Parce que. C'est Est-ce que ça a été une bonne expérience de tournage? On... Les deux, je pense qu'on dirait. On le sait pas trop. Mais au final, on regarde le résultat et on regarde, Ah, c'est cool. Pourquoi pas essayer de refaire ça? Mais j'aime ça qu'on ait nos sphères aussi. Comme... Ouais. On n'est pas obligé de tout faire tout le temps ensemble. Mm -hmm. D'être eh, juste voilà, comme fusionnés. On est pas juste... non, <rire> <rire> Oui, c'est ça, je <laughs> dis non, <laughs> <Voilà>. euh... <laughs> non, mais c'est bon un peu d'avoir. Mais tu c'est ça. Comment on peut se nourrir une l'autre. J'ai fait euh, la réalisation de grosse la captation. Oui, c'est différent parce ben, que c'est toi qui réalise, mais c'est elle qui dirige. Oui, oui. Mais, mais c'était le fun d'être un peu dans son univers, puis comme qu'elle qu avoue un peu le mien. En fait, c'est le fun d'aller toucher un peu à ça. Mm -hmm. Mais je voudrais pas que ça soit tout le temps ça non plus. Est-ce que tu avais ouais. écrit le rôle en pensant à elle Oui, c'est ça qui est fou. Parce que la vérité, là, moi, je voulais pas. Euh, c'est pas genre, hey, j'ai casté ma blonde. C'est un caméo de 4 lever qui c'est ma blonde. Ouais. Dans mon... Je peux même vous le mettre, on peut le mettre en pièce jointe si vous voulez, de... <laughs> du patate. Mais euh, il <laughs> <t'sais>, faut que ça <laughs> soit un document pour la SEDEC pour téléfilm quand tu oui. veux faire financer. Puis j'avais écrit des rôles pressentis. Et là, c'est oui. avant que je sois en couple avec Catherine. Ah. Je... Ah, elle devait triper dessus. <laughs> <100 ans. rire> mais là, c'est ça. tu tu <laughs> une bonne je euh, la... Non, j'avais écrit. Ah, vrai, mais c'est vrai, vrai que le cinéma, ça prend hein. 10 ans avec un film. Ça j'avais 7 ans que tu Je collaborais avec Catherine il y a plusieurs années. Et souvent, elle finit rencontre, rencontres pour aller voir Fémina, Fémina. Oui, c'est vrai, c'est ma série Web. Ah. Oui, oui, non, Catherine est une grande fan de Fémina, ouais. Fémina. Puis c'était avant qu'elle qu fasse, ben, moi je ne savais pas, c'était. je sais pas si elle, ce pas mes affaires, là, mais c'était avant, euh, à l'époque, elle s'intéressait à, à, à des garçons. Ouais. Puis elle me parlait longtemps de ses relations. Ah, tel gars, tel gars, tel gars. Ouais, ouais. Faut que j'y aille, faut, faut aller voir Fémina, Fémina. <laughs> <Féminin, rire> non, non, non. L'œuvre <laughs> la plus gay du monde. <rire> <rire> Mais là, est ça, non, mais, <laughs> « Let's go, Catherine, va vivre ça, man! » Je pourquoi ça marche avec les gosses. « mais Gotta go! » J'ai aller une vraie lesbienne que j'adore. Oui, C'est très vrai. Il y a, puis il y, a des, il y a un moment, elle, elle était à Radio-Can, puis elle avait parlé de moi à Radio-Can, puis tout le monde m'avait dit ça. Hey, « elle me trouvait badass, puis qu'elle avait domber. Puis clairement, elle était comme « très lesbienne ». Oui, clairement, oui. Moi, j'aimais ça quand elle était là parce que vous étiez full comme amoureuse. Il y avait comme de quoi, de. j'aimais ça, regarder ça un peu de... Oui, ça a donné une autre énergie sur le plateau quand Kat était là. J'avoue, mm. j'avoue. Ouais. Mais je me Puis sentais donc, nerveuse en fait, de la euh, ouais, diriger. Était nerveuse aussi. Ça, ça ben parce que ça. je hey, je voulais l'impression. Ben oui. Mais oui, c'est oui, bon. Tu fais comme ah oh, j'aimerais ça qu'elle trouve que j'ai l'air de savoir ce que je fais. Fait que là, là tu deviens oh. consciente. <laughs> c'est un peu comme les acteurs qui n'étaient pas supposés être quoi quand as l'air, mais là je devenais un petit peu consciente de. Fait que là par même temps des fois ben là tu veux refaire une prise, mais là tu veux je veux pas insécuriser ma blonde, tu comprends? Fait que là, euh, c'était tout ça, ouais, qui était un peu bizarre. Mais c'est ici, parce que, ben tu sais, de savoir que tu as écrit le rôle en pensant à elle, ça s'explique parce qu'on oui. retrouve son ton dans, euh, dans, dans ses lignes. Exactement. Ouais. Elle amène la légèreté dans le film, ça, ça a toujours été ce que je voulais. Tu sais, c'est un contrepoids, puis c'est une présence rassurante chez Emma. C'est quelqu'un mm -hmm. sur qui, a un peu comme. Je trouve que Cat, c'est ça dans la vie, tu sais, mm -hmm. en fait, de Québec, aime Catherine, parce que qu'elle dégage quelque chose de tellement juste doux, puis de vrai, puis relax. Il n'y mm -hmm. euh, a pas de game avec Kat. Que c comme, pour moi, c'était ça, dans le film. Ouais. Bref. Un, ouais. un sens de l'humour, un petit, un ouais. petit euh, à travers justement les relations elle a là qui peuvent être parfois complexes. Elle a une amie euh, qui, est, qui a un ouais. peu de légèreté avec un petit regard un peu... Euh, on ouais. devrait les voir plus souvent, ces amis. Oui. oui! À la <laughs> fin, on se dit, Non, ouais. mais c'est vrai, je me souviens m'avoir une scène où est-ce qu'elle échange <laughs> avec eux, puis on dirait que ça dédramatise certaines choses qu'Emma -hmm. ma vie. Puis c'est un peu cette vibe-là de comme, ouais. Ouais. ouais, prends des verres plus souvent. Ouais. <laughs> mais tu sais, c'est tellement <laughs> un personnage moi je trouve qu'il est seul mmh, c'est un personnage qui a de la difficulté à connecter avec les, les autres parce que sa vie émotionnelle est, 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 est trop chambranlante tu sais mmh. avec sa blonde avec son père avec sa mère avec l'orchestre avec les, 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 les euh, le corps administratif de l'orchestre tu sais toute a, tout est, est difficile. Il n'y a jamais d'équilibre. Non, il n'y a non, pas d'équilibre. C'est un personnage, c'est vrai, c'est ça, qui est toujours en déséquilibre. Elle n'est jamais confortable. Il n'y a aucun non, endroit ouais. où, elle va où elle est confortable. Sauf avec le, le fils de sa, de sa blonde avec vrai. qui elle peut se déposer, qu'elle peut avoir juste un rapport, je trouve, qui est simple, qui est ben, simple, lui, qui humain. qui c'est ça. c'est simple. Oui, Excuse-moi, c'est très bizarre comme ça, mais... Je, ce qui est, je pense qu'être chef d'orchestre c'est très très, très politique. Ah, Comme on le voit, là, il y a beaucoup de politique dans. Ben oui. mm -hmm. Peut-être que le petit garçon, c'est le, le, le seul bout qui n'est pas politique. C'est juste, juste être, être, être... Ouais. Il est un petit garçon. Il est un peu déçu, mais on va une crème glacée. une crème glacée, des moins déçu. C'est plus simple. Mm -hmm. J'ai une question de Moldieu. Que Peut-être qu'on pose tout le temps. Mais c'est une question de quelqu'un qui ne connaît pas le jeu. Comment faites les acteurs, et les actrices pour avoir des scènes d'intimité et ne pas tomber en amour mm -hmm. C'est une bonne question. Ah, ben oui. Ça arrive qu'on tombe en amour des fois. Mm -hmm. Ben oui, j'étais comme ah vas-tu dire la vérité. Tu as tombé en amour Non 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 non. Non mais, non, mais pour moi <rire> pour <rire> moi une scène, une scène euh, <laughs> euh, gay ben, était beaucoup plus simple. Parce qu'il n'y a pas, vraiment pas, pas d'ambiguïté pour mmh. mon, de mmh. mon côté. Puis nous non plus. On, mmh. on a tellement ri là, à faire ça. C'était vraiment. Euh, <laughs> euh, non, mais c'était pas. C'était pas. C'était gênant un peu. C'est drôle, c'est drôle, Mais oui. c'est tellement technique. C'est mmh, ouais. tout, tout chorégraphié. C'est hyper technique. C'est comme c'est plus stressant parce que nous, on se voit tout nu entre nous. Mmh. La caméra ne le voit pas, là, mais sais sur l'équipe. C'est plus ça qui est comme ah! Ok, on se met un peu tout nu, puis là, bon, on fait, on fait le truc. Mais il y avait pour nous, il y avait tellement pas d'ambiguïté, fait que c'était full un, un espace qui était pas, pas trop gênant. Ah, je des gars. fois, là, super gênant. Ah, non, mais maintenant tu le trouves beau là. Ah, tu trouves qu'il sent bon. Ben c est c est oui, j'en doute pas. c'est oui, oui, ça. Gênant, Quand arrives à deux ouais. pouces de sa face, puis là, tu fais. Oh. Ouais, ouais. <laughs> ben oui, ça arrive. Puis tu sais, des fois, c'est que c'est il faut que tu restes dans, dans ton personnage. Pis, moi ce qui va arriver de mon côté parce que de par ma personnalité c'est que je vais devenir je peux devenir très réservée là tout à coup vraiment gênée me regarder à la terre oh, ouais. la misère à soutenir le regard des fois c'est même pas une affaire de Frenchy ou de se toucher c'est juste de soutenir les mm -hmm. yeux mm -hmm. de l'autre mm -hmm. tu sais puis le personnage, mettons, tu fais, mon Dieu, ces yeux-là, je pourrais me perdre dedans. Puis <laughs> <'est des> <laughs> moi, je suis quelqu'un de très romantique. fait que c'est sûr que je peux vite spinner sur des. Puis on disait, j'aime me nourrir de ces, de ces euh, impressions-là. Ces impressions mm -hmm. Mais c'est quelque chose aussi de beau dans notre métier, la chance qu'on a de pouvoir tomber rapidement dans une intimité avec des gens. que ce ne soit pas euh, juste sur un plan amoureux sexuel, mais juste humain, tu sais, on a une vous chance de partager euh, quelque euh, chose de oui, spécial. Oui, oui, hein. tu sais, des fois, je reviens chez nous, puis justement, tu sais, je dis à mon chum, j'ai vraiment vécu j'ai rencontré euh, telle actrice, tel acteur, puis on a parlé de choses. on dirait que te, on tombe vite en amour, tu sais, mm -hmm. dans une bulle avec l'autre. Je suis que vous vivez ça aussi dans votre métier. Euh, non. façon. Ben, des fois. Elle... <laughs> non, mais non, mais non, vous euh, avez moins ça. Ben, moi, je suis seule tout le temps ouais mais tu ah, vois comme ça, mettons ouais. moi il y a des épisodes de podcast que je suis comme hey on a vécu de quoi tu sais on je a eu tellement est. de fun avec eux avec elle euh, mon dieu qu'on a ri nous, ou ah, j'ai appris des affaires nous c'est des, ou... des soupers, nous, des soupers -ce que... ou des cafés avec, avec du monde mm -hmm. oui avec euh, des, des collaborateurs mm -hmm. ou des trucs mais moi pour vrai il y a des épisodes de podcast que je suis comme j'en reviens pas que c'est de ça fait partie de mon métier d'avoir mm -hmm. ri autant ouais. avec du monde mm -hmm. d'avoir échangé puis de Wow, grandit, j'ai appris de quoi, puis je suis contente de, de partager ça aussi avec les gens qui écoutent. Pis... Est-ce que vous ouais. connaissez des comédiens qui sont au moins amour sur un plateau Ben oui, plein. Wow. Ouais, sans ouais, arrêt. Ça marche toutes ces histoires-là. C'est sans arrêt. Ça marche. Oui, oui. Wow. Il y en a que ça. Oui, oui, vraiment. Mais, mais pas oui. juste euh, des comédiens, hein, l'équipe technique… Là, Surtout Sauteur. Sont... Ah non, oh oui, c'est oh oui. ça, là. Mais c'est ça, ça c'est la joke d'occupation double. le vrai occupation double, ça se passe dans l'équipe technique, pour ce. tout ensemble. Mais oui, ben oui. C'est ce. sûr. Oui, oui, oui. Et oui, Je... puis le plaisir d'être sur un plateau pour puis de regarder ça, là, c'est un jeu de cours. Oui, oui, oui. C'est c'est un jeu de cours, ça me C'est comme un jeu de cours comme à Louis XIV. C'est un jeu de cours, tu sais. Oh, tiens, la deuxième assistante. Tu sais, tout, tout le monde tripait sur ta deuxième assistante à la caméra. Bravo. <laughs> Bravo. 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 Choisis bien. Choisis bien. bien. Ah, la, à même temps, ce pas moi qui l'ai choisi, c'est le directeur photo. Tu sais, tout le monde tripait sur le directeur photo. Oui. Ariel Méthode, vous allez voir, un, un James oh, Dean. Oui. Très bon, bon. sang. Très gentil. <rire> <rire> très doux. Un ouais. homme parfait. parfait. Même moi, je pense que j'avais un kick sur oui. Ariel. Tu me dis tout le temps ça. Oui, c'est vrai. <laughs> Mais ceci dit, nous, on a une mm -hmm. relation hyper comme fusionnelle quand on travaille. Mm -hmm. Puis, tu sais, c'est incroyable. Tu sais, on rêve. T'sais, moi, tu dans mes rêves. Hey. Wow. Oui. Je me rappelle d'une fois. Oui, as des rêves un peu drôles. Sarah préfère la course. Tu arrives à un moment donné, euh, on va tourner les scènes de Parthé, Sarah, et tu te dis devant tout le monde Chloé, tu étais dans mes rêves hier soir. On était <laughs> en maillot au bain dans un spa. <laughs> c'est comme. Ça s'en venait bizarre, ton rêve. <laughs> je ben, moi, je pense que, que c'est bon signe. Quand tu <laughs> fais des rêves très intimes avec des. C'est parce qu'il y a qu'une connexion, il y a, oui. une, y a oui. une communion, il oui. y a comme quelque chose qui. À préserver. Si j'avais pas du tout rêvé de toi, bon. Oh, bon, bah écoute, tant mieux. Mais je me souviens d'être soudainement devenue très très coincée. Oh. Mais, là, mais ça, c'est dans le temps ne même pas oui, qu'on te touche oh comme ça. Ah oui, tu pas ça? Ça y est, je arrive à moi la nuit. Puis là, j'étais Oh! Non, mais maintenant, oui. t'aimes ça oui je suis meilleure non, non, je suis plus... plus oui j'accepte plus puis moi a... ce je suis tellement ah, mon dieu moi je suis tellement tactile puis c'est ça ouais. je t'envahis oui 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 non mais c'est pas va. que j'aime pas ça c'est juste que <laughs> je suis ah, avec les c'est ce que je pense des comédiens vous êtes très 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 tactile ouais. vous, oui, vous touchez même. le visage ouais, ouais. vous appelez ouais. chérie. moi des fois là, faut tout... que je fasse attention là et, et je ouais. suis très euh, en podcast là je suis parce que aussi suis habituée d'animer avec mon chum mais des fois je fais des podcasts avec d'autres mondes puis là je suis là puis je pas. puis là je suis comme ah il Aïe, a ici la personne est introvertie elle n'aime pas se faire être chie, elle de chez eux et elle est comme, c'est quoi son problème à elle? <rire> <rire> elle arrête pas de me trimoter les <laughs> Je suis comme, mais oui, je peux comprendre. <laughs> en ce moment, vous êtes en tournée de presse. Ça, c'est la dernière étape, on dirait, euh, quand, quand vient le temps de, de présenter le film. Ouais. Euh, Est-ce que c'est l'étape la plus stressante? du processus pour moi oui Moi aussi. Ouais. Ouais, ouais. donc rien les festivals, ben, <laughs> festivals. Ça. Exactement. très important. au première vous êtes assis dans la salle tout le monde autour là t'écoutes chaque cri t'écoutes chaque soupir t'écoutes c'est tellement difficile là ouais. au tif là j'étais rendue de même là côté de mon chambre puis j'étais ah. là soupir j'étais là oh mec c'est pas possible de se voir de supporter de voir sa face comme ça là tu sais comme de se voir jouer puis tu sais c'est un film avec beaucoup d'émotions c'est un film qui qui est généreux en émotion, fait c'est sûr que puis moi bizarrement, je pense qu'il y a d'autres acteurs à qui ça fait ça là, mais quand je me vois jouer, c'est pas le film que je me replace de quand on le tourner. Ben, oui. Donc ben, ouais, là ouais, ça ouais. fait remonter toutes sortes d'affaires, mm -hmm. c'est vraiment pénible, mais euh, ça fait partie de, de, du métier. Puis moi je suis pas quelqu'un qui cherche de l'attention, d'envie, je suis assez euh... Tu sais, des fois, je me dis « Mais Pourquoi je fais ça Tu sais, j'aime ça. Je supporte pas, là, tu sais, ce moment-là, c'est vraiment dur. Mm -hmm. Puis là, tu deviens comme ultra vigilant. À gauche, ça avait pas l'air d'aimer ça. Oui, <laughs> à d euh, ouais Oui, là, la gauche, personne a l'air de, de, je sais pas. Non, mais tu sens tout. C'est comme sur scène, tu sais. Ouais. Je sais pas. Vous devez le vivre, j'imagine, comme humain Tu fait. Mais il me semble qu'à gauche, là-bas, ouais. c'était pas de mon bord. Ça y est, quelqu'un se de mouche. Quelqu'un se smush. Ça vient de paranoïaque. Il a son manteau pour être chaud. Ouais. Tu sais, tu deviens comme. Ouais, ouais. Je, jamais, jamais, je, je peux jamais jouer le lendemain de veille. Ben non, je Parce que tu es, sûr. comme tu dis, tu pas vigilant et ouais. tu es. Euh... Parano. Paranoïaque. Oui. J'entends. <coughs> oh mon ah, dieu, c'est moi. En humour, c'est ça... que des fois, le bar est ouvert, tu sais. Ah oh, ouais, quel horreur. Fait que là, je suis comme. Est-ce qu'il va au bar parce qu'il s'ennuie mmh. Ou est-ce qu'il va au bar parce qu'il y a tellement de plaisir et qu'il veut, veut boire, faire le parti ouais, <laughs> <ouais, ouais, ouais. rire> Je peux me bien analyser. Même L'autre fois, j'ai entendu la commande de la personne, puis j'ai fait un, un gag dessus, puis j'étais quand même là. J'écoute trop, là. il a commandé une bière blanche, puis je le sais, puis comme j'analyse sa commande, puis ouais. il, il en prend une, il en une pour son ami, il en prend une pour la table, il en prend tout seul parce que là, je, non, je ne peux plus. Mais moi, à ce moment-là, j'essaie je tout le temps de me, de me reconnecter et de me dire, hé... Hey, il y a toujours des gens qui ne vont pas aimer ça. Oui, ça c'est sûr. Oui, c'est oui. pas là pour plaire à tout le monde. Mm -hmm. Si ça connecte avec les gens, tant mieux. Si ça connecte moins, c'est vraiment pas grave. On mm -hmm. a le droit de pas aimer quelque chose. Mm -hmm. oui. Tu sais, c'est comme. Mais j'essaie de, de m'en rappeler parce que je trouve que tout à coup, le regard des autres devient tellement important dans ce moment-là. Tu fais. Non, oublie pas les raisons pour lesquelles on fait ça. Oui. C'est pas, pas ces raisons-là. C'est bon, je... quoi ouais. les raisons pour lesquelles on fait ça? Pour raconter fait? une histoire. C'est connecter. C'est juste. C'est ça. Être le plus authentique possible. Ouais. Euh, communiquer. Et communiquer. et Puis après, là, après ben, si... il y a des gens qui le prennent, puis il y a des gens qui l'attrapent ben pas. Exactement. Mais mais puis... Des gens, les, les fois, il faut juste se rappeler aussi que les gens ne l'ont pas attrapé pour des raisons qui leur appartiennent. Exactement. Mm -hmm. C'était mm -hmm. pas le bon timing. Ta... Ça nous est arrivé des fois ouais. de voir un film, puis dans le fond, c'était vraiment pas le bon timing. Mm -hmm. même... mm -hmm. On le revoit 10 ans plus tard, on fait Ouh, mm -hmm. voyons, il y a quelque chose qui je pas catché. Complètement. Fait qu'il faut ouais. quand même mettre ça de côté aussi. Ouais, mais ouais. c'est dur. Hein. C'est vraiment dur. Un truc que j'ai observé. Nous, en humour, ce qu'on veut, c'est une réaction physique, puis sonore. Et des fois, on ne l'a pas. Mm -hmm. puis, puis moi, je, fais, je comme la fatiguée. Mm -hmm. Pourquoi la, la jeune dame en avant? Elle, 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 elle fait rien et elle n'est pas contente. Ah, mais des fois, c'est comme ça qu'elle aime écouter. Oui, mais gars, moi, je suis le même. Moi, je, suis je suis le meilleur exemple. Elle Oui, mais moi, je suis mm -hmm. pareil. Je suis exactement ça comme ça. Mais je fais attention parce que les gens, des fois, me reconnaissent dans la salle, tu sais, au théâtre. tout mm -hmm. ah. c'est Fait que là, je suis comme ça. <laughs> puis je suis jamais comme ça, parce que oui, je oui. sais que des bras croisés, ça fait fermer. Oui, fait que je fais oui, oui. exprès, je fais... L'éponge! Je suis de même. Ah. Vas-y mon ami, je t'aime, je t'écoute. Oui. Je fais ah. exprès, je oui. change oui. mon oui. truc juste parce que oui. je sais comment c'est dur de faire ça, mais ça veut pas dire que ça, c'est juste oui, que confortable peut-être ou... Oui. Mais oui. moi je suis le meilleur exemple, je ris pas. Oui. Mais j des vrai. fois je trouve des choses, je dis à mon chum « Ah j'ai vu le tel sketch de John Mulaney, hilarant! »« Mais tu peux pas rire! »« Mais non! » <laughs> mais normalement, je ris. Dans ma tête, je ris je pas super fort, bien. moi. Je ris je pas comme fort. Mm -hmm. Mais mm -hmm. j'ai je... pas d'éclat. Oui, je l'ai observé, ça, oui. Pas envers pas, pas ma... avoir... <laughs> toi, mais dans la vie, dans les oui, oui, de spectacles on a saisi ça. fait. On des spectacles, je leur remarqué. fait. Ça fait une heure qu'on jase, on le met. Des fois, il y a des gens ils sont le même. Beaucoup des gars aussi tatoués, qui viennent de leur blonde. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Après, ils viennent de voir. une chose qu'après les shows d'humour, tu peux parler au public. C'est les premiers à te prendre dans leurs bras. Merci, ils veulent des photos. Après, ils te parlent sur Instagram. Ils ont trippé. Mais dans la salle, on <laughs> <mange> la gomme. <laughs> ils trippent, là. C'est tout. Moi, je me souviens aussi de, de ouais, ouais. films ou de pièces de théâtre ou de shows d'humour que je n'ai pas aimé à cause de la personne avec qui j'étais sais, oh, des mais fois je gâche des films. Non, je te suis Non, non, j'ai déjà gâché des films. J'ai gâché non, mon mais reste Gump. Je sais pas. Moi, t'es es dans une relation de couple que t'aimes pas, puis là tu sais là t'es tout le temps. Mmm, puis on va voir un film. Puis là je me suis dit revoir mettons le même film justement des années plus tard. Je suis comme hey, c'est bon. Finalement c'est moi qui étais dans, un, dans, un, étais dans une ma... mauvaise place. Ah, ouais. T'sais. Ouais. Ou moins y a rien que j'aille plus comme que quelqu'un qui, qui, qui regarde mes réactions. Je sais pas si ça faisait déjà arriver. Ah tu m'irais. Ah, ah, oui. Ah ouais, ah moi, regarde la version. Moi, ah j'aime oui. ça écouter un film oui. que j'ai vu, que je ne pas vu. Euh, bah, là, je deviens ouais, ouais. trop consciente de mes réactions. Ouais, Puis je moi, je gâche go. les films, mais je fais, hey, check, ça s'en vient. Mais si oui. oui. tu, oui. tu, tu me dis que ça s'en vient, ça n'arrivera ça, ça pas. C'est surprenant a tellement parler pendant les films. Ah, j'adore ça. J'aime ça. Il y a des que j'aime plus que ça. Non, j'ose. On est là pour ah ah, ça. Il n'y a rien de mieux qu'aller voir un film pas bon. Ah, les films d'horreur pas bons ratés, en date, avec du popcorn, c'est de la rap. Moi, je n'ai pas vécu ça. Je ne veux pas voir des films d'horreur. J'ai tellement ça fait peur. C'est trop peur. Non, tu sais que moi, c'est fait. J'ai peur, j'ai peur. C'est dans un Est-ce que. Est-ce qu'il y a un film dans la dernière année que vous avez bien aimé? Parlons cinéma un peu. Euh, y a-t-il des, des films qui vous ont bon fait Dieu, triper? C'est ça, oui, mais c'est ça. Oui. C'est Je viens de juste de voir Falcon Lake. OK. Hey, c'est bon, oui. tellement bon. Oui, c'est tellement Le bon. beau, Charlotte Lebon. Son <laughs> film extraordinaire, un ah bon? bijou. J'ai capoté ouais. sur son film. Vraiment un univers. Là. Mais la vrai. fin moi, comme. Euh, au début, je fait oh, OK, c'est un coming of age. Ouais. À un moment donné, ça pogne une tournure. Oui. Oh, okay. C'est tellement maîtrisé. Un premier film, franchement. Bon. Je l'ai vu sur Crave. Il est là. Allez le voir. Euh, est ben, je suis parfait marrant. parce que moi, je, je, moi aussi, je suis mère de jeune enfant. Fait qu'aller au cinéma, c'est pas tout le temps quelque chose qui est possible. Non. Fait quand c'est disponible sur les... Bravo plages. Barbie, bravo. Je suis allée voir Barbie. J'ai oui. Oui. Ai bien aimé. Oui. Euh, J'ai pleuré trois fois. Ah, quand même. Là, j'étais oui. comme j'étais toute seule au cinéma un après-midi. Parce que c'est là, c'est C'était pas, là pas que Barbie qui faisait pleurer. C'était enfin d'avoir du que temps pour moi. En fait! Je suis tranquille. Mais euh, ouais. non, j'ai trouvé ça vraiment... Euh, ils m'ont eu, là. Ils m'ont complètement eu. J'ai trouvé ça vraiment touchant. J'ai ai, ai aimé l'angle. J'ai tout aimé. Mais moi, je suis une grosse fan de comédie musicale aussi. Fait que c'était comme un heureux ouais. mélange. La danse, puis euh, des moments ouais. d'émotion. Moi, je suis allée voir Simple comme Sylvain la semaine passée, Demonia, crie mm -hmm. Vraiment bon. J'avais pas compris. -com non, oui. vraiment, je l'ai mâché un Mais peu. Mais tu le répètes? Simple comme, comme Sylvain. Sylvain. Comme Sylvain. Ouais. Euh, Question plate. que ouais. vous que les cinéastes sont en compétition ou non? Oui et non. Le milieu fait... Ça, ça, ça c'est ce que j'aille le plus, mais c'est fait pour qu'on soit en compétition. Ouais. Tu déposes à ce deck, tout le monde veut la même euh, pointe de tarte. Là. Il n'y en a pas beaucoup des pointes de tarte. C'est comme. C est, c est, tu t'essayes pour Cannes. Ah, bien là, tous les cinéastes canadiens, tu te sens comme en compétition en mm -hmm. contre l'autre. Mais il faut faire attention à ça parce que c'est une fausse compétition. Ça n'existe pas pour vrai. Mm -hmm. fait que, euh, Donc, il, ouais. mieux que ça, je trouve que les films s'alimentent. Ouais. Ouais, mm -hmm. En ce moment, il y a des super films. Au cinéma, solo, allez voir solo Théodore Pellerin, extraordinaire. Ah ouais, le film de Moniac que je n'ai pas encore vu, mais que je suis sûre que c'est bon. hyper bon. Mais moi, je trouve que c'est. Ça donne un goût, tu sais. Ouais. Euh, le vampire. Euh, ouais je n'ai pas euh, vu. Mais, Ma la, maison, mais la, oui. meilleure, la meilleure année du cinéma québécois dans les années 2000, c'était. Crazy, non Il y avait Crazy, comme même temps, il y avait l'audition. Il y avait aussi ah ouais, ouais. la comédie de Ken Scott. Starbucks? Non. non, 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 avant, tu passes à la petite séduction. C'est souvent les films... Tout la même année, je pense. Ou dans même 18 mois. c'était très Oui, oui, oui. Puis moi, ça, 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 ça seulement. Tu as raison. Oui, ça donne un engouement. Les gens ont envie d'aller voir les films. Des films de femmes en plus. Oui, c'est vraiment une année de femmes à la réalisation, quand même. Comme quoi, les systèmes de parité, téléfilms, SODEC, ça fonctionne. Oui, mais oui. On le voit. Comment qu'on fait pour voir... T es, t es, le, euh, Les Jours Heureux sort au cinéma, oui. donc on va aller le voir au cinéma. Oui. Tes autres films C'est une très bonne question. Moi, <laughs> je l'ai acheté sur iTunes. Bon, ben, je ne savais pas. Euh, iTunes, non, je savais qu'il était là. Euh, non, mais des fois, pour tu vrai, moi-même. Tu je... oui. Tu hein? peux, peux okay. l'acheter. Ah, je l'ai pardonne ouais. okay, okay. loué, pardonne-moi. Ok, ok, ok. Mais tu peux l'acheter aussi. C'est ouais. genre louer euh, 5 acheté. Acheté pièces, acheter 18 piastres. Cet argent-là, ça te va-tu Ça m'intéresse, c'est quoi ça Ah, ouais, Même pas. En fait. On, on est dans un système ici au, au Québec, au Canada, où c'est quasiment impossible de faire de l'argent avec des films parce qu'on n'est pas assez nombreux. Mm -hmm. Mettons, euh, 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 je ne sais pas, les jours heureux, 5 millions. Ben, avant que moi, je tourne une scène, il faut que tout le monde qui a mis de l'argent dans le film retrouve leur argent. Je veux dire, il faudrait que je fasse 8 millions box-office parce que là, les, les, les salles, les cinéplex de ce monde, tout le monde va, va prendre leur cote. Comme, ça n'existe pas. Là. Oui, c'est toujours déficitaire, sauf toujours quelques déficitaire. exceptions. quelques toujours. exceptions. Bon, comme Backup, ouais. euh, ouais. regardez garde des trucs, Mais Il euh, y en a, euh, a d'autres, des plus petits budgets. Tu sais, des mini, ouais, là, des ouais, affaires. Ouais, vraiment ouais, peut-être, peut-être. Mm. Ouais. J'avance ça, puis si c'est vulgaire, il y a quelque chose d'un peu éthique de pirater le système québécois parce que l'argent ne va pas aux artisans? Non. Okay. Ça ne sera jamais éthique de pirater pas, quoi que ce soit. Non, je <laughs> okay. non moi, je ne pense pas. mais il ne va pas aux artisans, oui et non. En même temps, il nous revient à nous. C'est un, une loupe parce que le cinéma est financé par l'État. Si on va voir le, un film, ben, l'argent la, la, retourne à l'État et il mmh. refinance un autre film. Ça oh tourne hein, ouais. en boucle. Oui, puis si tu le pirates, ouais. il ne voit pas que tu le consommes. Si tu le passes mmh. par les canaux, ils vont voir qu'il bon, y a eu ouais. un certain intérêt pour ce projet, donc elle ben, a des chances d'être sélectionnée la prochaine fois parce qu'il y a un certain intérêt pour ce projet. il y a ça projet. aussi, C'est euh, pour ça, souvent, on dit, allez-y premier week-end, en salle, c'est vraiment important, même si... Ça envoie, tu, un, ça message. envoie un message. un mm message. -hmm. Puis on est dans un système qui fonctionne aussi de même. C'est sûr que si ton film ne fait pas une scène au box-office, ben, pas bien, bien envie de te refinancer. Mais des fois, ça se peut que tout le monde ait envie de le voir sur Crave, finalement, après. Il y a tout ça à prendre en considération. Ouais, c'est complexe. Oui mais je trouve qu'il manque une vraie plateforme ou même des salles où est-ce qu'on fait juste jouer les films québécois parce qu'ils ont été faits pour les, Québé ils ont été faits oui. pour les Québécois avec oui. l'argent oui. euh, mm -hmm. oui. des contribuables. Fait On oui, devrait accès. Avoir accès. Oui, de vraiment... avoir, de y avoir accès. De ne pas y avoir accès est comme un mauvais contrat, oui. je trouve. Oui. Oui, on finance la production, mais même au niveau de la diffusion, on dirait que c'est là que le boblesse un peu. Il y a tellement de bons films, puis c'est comme. Moi, c'était ça ma question, un peu. C'est comme comment je C'est des, distributeurs, ouais, ça dire, ils ça, sont des ouais. compagnies, en C'est ouais. compliqué, mais c'est Mais pour une revenir jette. à la question, je pense, honnêtement, tous mes films euh, sont, sont sur, euh, je pense, Crave, euh, tout TV parfois, euh, iTunes. Euh, ouais. ils Parfait. Se ils se trouvent assez facilement, je pense. Mm. Parfait. Vous direz, je vais aller lire les <laughs> commentaires, <laughs> mais comment qu'ils okay, sont là? Ouais. Est-ce que ça vous tente de vous amuser avec les histoires de d'autres gens? Oui, ben bien sûr. Oui. Allons-y. C'est segment des Days, mesdames et messieurs, présentés par Eros et compagnie. T'as envie de jouer, t'as envie de faire quoi que ce soit de sexuel, Eros et compagnie. <laughs> Utilise le code promo Couple15 pour avoir 15 sur absolument tout. On juge pas, on tripe, on jouit. Et on vous a... Pas nous, des mais cadeaux. Eros vous offre des cadeaux. Mais c'est donc bien. Excitant! <laughs> J'aime ça les podcasts parce que c'est la deuxième fois que je reçois un cadeau euh, du genre. Tu n'aurais pas ça, à bonsoir, bonsoir. Là, oh, pas... On a le même. <laughs> on a le même. Oh, vous bien. allez pouvoir vous appeler et vous pas. en parler. Wow. Wow. Pour poursuivre wow. notre publicité wow. de notre façon. <laughs> ah, le womanizer. Womanizer. Vraiment, je... hey, merci. Et il paraît que ça, c'est le fun. Je ne l'ai pas personnellement, mais tout le monde me dit que c'est extraordinaire. Ben écoute, on ben parle merci. Ben, amusez-vous. On Chloé. Vous avez des cartes, je pense. Vous allez pouvoir vous détendre, là, tu sais, la, la, la sortie s'en vient et tout. Ça, ça va aider pour la bon. ça, ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Ah, ah oui, une petite carte pour vous. Oh, oh, OK. Sophie et Chloé, Eros et compagnie s'est dit que pour deux artistes de grand talent comme vous, <rire> 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 nous ne pouvions faire autrement que de vous offrir le jouet qui maîtrise le mieux l'art de l'orgasme. Nous vous offrons aujourd'hui le Womanizer Eros pour des, or des orgasmes dignes d'une grande, grande scène de cinéma bonne découverte bravo je vous pose la question en tant qu'actrice et en tant que metteur en scène ouais qu'est-ce que vous pensez de la pornographie est-ce que c'est bien fait mmh. hey, oh, et moi j'en regarde pas okay. ouais, j'en une... ai déjà vu là oh, mais n'est pas vrai. quelque chose que je regarde que je ça me ça me ça m'interpelle mmh. pas oh, ouais. je pense moi ouais. j'en ai pas vu c'est très vrai là. Je ne peux pas dire que j'en consomme énormément non plus donc euh, c'est dur à dire ça serait intéressant. Mon premier court métrage de Concordia oui. était sur une actrice euh, porno. Ah, ok. Fait que, ouais, ouais. Euh, je racontais le quotidien, la, la journée dans la vie d'une actrice porno, qui après le soir, voulait coucher avec son chum, puis comment mm -hmm. tu switches de comme. Mm -hmm. C'était intéressant. C'était oui, oui, très intéressant. Ça vois. J'aimerais le refaire. Celui-là, on peut <laughs> le voir sur ouais, Crave. Ouais, ouais. <laughs> une petite <laughs> rétrospective cinématographique. <avec> Chloé. Il est dans une bobine 16 mm dans mon sous-sol. Oh. Je vais en parler, mais. De toute façon, maintenant, tu euh, es gay, tu sors avec. Euh, tu es amoureuse des femmes, mais tu n'as pas oui. tout le temps su que tu étais gay. Tu une période de ta vie où tu t'es dit, mm -hmm. moi, cest ouais. j'aime les hommes, on essaye ça? mais en fait, tu dans les faits, j'ai toujours su. Après ça, est-ce est que je voulais me l'admettre? C'est une autre histoire. Mais t'sais, si je remonte, pourrais le plus, plus loin, que je, je, je me souviens, c'était genre en maternelle. <laughs> je me souviens que je regardais la nuque euh, d'une fille qui s'appelait Anne-Marie, puis que je trouvais ça donc bien beau, tu sais, comme. Ah, weird. tu, tu leur... Mais c'est pas weird, mais dans mais Tu nos... le remets oui, dans, oui. dans, dans, dans ton premier film? Oui, ça. elle fait beaucoup de films. Ah, ben, j'aime oui, les nuques! Mais nuque. c'est Mais oui, c'est ouais, ouais, oui. tellement non, beau qu'on te que... que... ça parce qu'on s'en est parlé, ouais. moi et Tom. On était comme la nuque de Sophie, là. Le on la voit bien. on l'a vu. Je sais que le personnage de Sophie est m'amené dans les douches et elle regarde la nuque. Oui, ça, ça, C'est tellement beau, ça. C'est vraiment C'est vraiment beau, cette scène-là, avec Geneviève. Je Ouais. « Ah, mais c'est donc bien drôle. » Mais bref, puis tu il faut se replacer. J'ai 35 ans, je viens de Québec. Donc, euh, moi, quand j'étais ado, là, c'était pas, euh, cool. pas... Cool. C'était pas cool d'être lesbienne. Non, même que le peu qu'il avait qui avait fait leur coming out, euh, à Québec, les gens riaient d'elle. Ouais, ouais. Donc, ça me donnait pas envie. Euh, et je me disais, bien, il faut que je trouve mon homme. C'est juste que je n'ai pas trouvé mon homme. Alors, j'ai eu plein de choses au secondaire. C'était vraiment la fille euh, avec le meilleur score. De... Il <laughs> <laughs> faut dire que tu poses vraiment beaucoup de les gars aussi. Ah oui? Oui. Ouais? Tu oui, vraiment. Pour ah bon. ben, bon, longtemps, si je suis vraiment l'amour aussi... des lesbiennes. Ah, ça, mm -hmm. ça arrive, ouais oui. Ouais. Dans sa répartition de la course, je comprenais beaucoup ce que l'autre ouais, gars vivait. Je comprenais exactement. Ah, ben, ça me touche que tu dises ça. Mais, euh, mais c'est ça, fait que, et, fait que là, j'avais un chum, ça durait un mois, puis j'étais comme, là, quand on arrivait proche d'un rapport d'intimité, comme c'était pas le bon, il y avait mauvaise haleine, il n'y avait pas de belle nuque. <laughs> euh, fait que c'est ça, jusqu'au Cégep où à un moment donné, là, j'ai fait, ben, ça, ça sent bien ridicule, le, mon chum qui était genre le, le porteur de ballon au football. <gasps> Oui, 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 Non, wow. non, c'est ça, vraiment. Ouais. c'est Pas moi. Puis, euh, puis là, je, je suis tombée en amour avec une fille, là, clairement, qui faisait. Mais t'étais pas tombée en amour avec une fille avant? Comme comme un... Des émois? Oui. Oui, oui. Ben, plein, que... là. Mais réprimée. Mais reprimé, là. C'est ah, quoi fond. ça? Ça m'intéresse, ça. ça. C'est comment un... tomber en amour avec une femme, sentir que se passe quelque chose, femme? Hein. Non. Ben, c'est toute Sarah rappe faire la course, allez voir. Oui, <laughs> mais c'est <laughs> ça vrai. le film. C'est exactement ça. ça. La meilleure scène, c'est quand elle, elle est dans une voiture et il y a une autre femme qui. fait juste. Oui. Mettre sa tête sur l'épaule. Puis, elle vit plein de trucs. <laughs> super rêvés que. Normalement, c'est qu'une tête sur l'épaule, épaule. Faut que tu me <laughs> des choses. J'avais oublié cette scène Je la revois. Hein. Moi, je, euh, euh, non Qu'est-ce qui se passe ici Juste quelqu'un de fatigué J'ai pas revu mes films depuis euh... qu'ils sont sortis. Ça fait dix ans que j'ai pas vu ça. fait que tu as passé plus un peu de plus plus temps en montage aussi. Oui, j'ai vu ton film. Tu le laisses vivre après ça. Il appartient parti en Tu as passé tellement de temps. Puis, quand tu as compris, ils vont savoir faire le niaisage. Moi, j'aime les femmes. C'est ça. C'est au cégep. Regarde, on va le dire ouvertement Jess Colganier dont on a parlé qui était une directrice photo qui était ma grande amie. Ben moi je l'ai rencontrée au cégep imagine elle avait un talent déjà incroyable elle ressemble à Jeanne Moreau. Euh, <laughs> comme... à moi aussi, je suis en amour. <laughs> ben, oui, exactement. exactement donc je vais mon chum euh, porteur de ballon <laughs> si terminé ça se peut pas là. on va, on va, on va <laughs> enfin s'affranchir. Euh, mais, 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 mais Jess n'aime pas les femmes. Ben, elle les femmes avec pas, Jess? pas sexuellement parlant. Euh, oui j'ai eu un kick sur Jess. Puis c'est rien passé. Rien passé à part une mais grande amitié. Mais t'as-tu vécu une souffrance terrible? <laughs> oui, mais ben oui! on en a parlé. Elle a été d'une écoute incroyable. Puis comment ça, ça se une... à l'amitié? Ben, on était. On... Ben, je sais pas. Comment ça se que... Non, non. Ben. C'était ça. Waouh. Puis tu es restée une grande amie une collaboratrice en fait mes deux premiers films ensemble. Ça me fait penser aussi j'ai jamais eu j'ai jamais vu Ah, ben non mais là c'est comme ma sœur tu sais tu comprends maintenant je je peux je Mais ça me fait beaucoup penser à un film que j'adore justement de Xavier Dolan les amours imaginaires qui est un peu ça aussi. C'est un peu ça. Euh, que j'ai des amis, justement, moi, au Cégep, euh, gays, que c'était des grands amours dans leur tête qu'ils vivaient. Ouais. Puis, dans le concret, il se passait absolument rien. Tu sais, c'est un grand film pour puis ça. Je trouve que ça ouais. ça te prenait tellement de bonnes oui, photos de, de ça. c'est vrai Mais ouais. je suis scénariste aussi. Fait que, je suis mm. très bonne aussi pour comme, vivre des mm. choses dans ma tête. Mm -hmm. Fait que, euh, tout tout se tout, tout passe là. Mais, c'est ça. T'es-tu bonne pour croiser Ben oui. <rire> oh! <rire> 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 super bonne pour croiser Sérieux? Ben Mais oui. Là, je... OK. Ai comme, comment comment Cruz Mais Je ne pourrais crues? pas te dire. Je ne l'ai jamais vu nécessairement. Ouais, c'est Là, je suis très en couple. Là, là tu es très en couple, mais, mais tu sais... C'est parce que tu étais très bonne pour <laughs> Non, mais... <laughs> Probablement. Oui, oui, mais quand même, dit. oui, je pense que tu es bonne pour Cruz. Je ne sais pas. Écoute, bonne question. Qui, qui a séduit qui? Toi Catherine? Catherine a séduit séduire C'est vraiment mutuel. Je ne peux pas te dire. Ça a comme été euh, comme instantané. On a une amie qui nous a présenté, puis c'est super Catherine, mais c'était comme l'artifice tout de suite là genre comme ah fou. mon dieu c'est ça c'est ça ah, cool. clair 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 est-ce que tu, ouais. tu viens de ta première ta, ta première date avec elle ben oui mais ça je, je le garde pour moi je comprends ça je ah. le garde mmh. hum. je comprends je comprends je ouais. parce nous, que nous déjà si on a ça. ouais nous vous aussi, pour ça vous, hein. quand non mais quand on sait... non nous on dit On toi. dit un truc que j'ai compris hier en parlant à mon entraîneur parce que c'est rendu je rendu je me confie beaucoup plus à Alex qu'à ma psy ah mais c'est ouais. c'est chill aussi. Je me plus à un gars de 25 ans musclé qu. À, qu à ben qu non mais je veux dire c'est un ami c'est ton entraîneur c'est tu passes du temps avec mon... ouais. puis. Et j'ai réalisé oh, je ne peux jamais mentir à notre fille Je dis tout sur internet. Ouais. Fait qu'elle vole. Cette année ouais. elle veut aller… ouais c'est ça. Fait que voilà ça. faut que je sois très honnête avec elle. Mais ce que je voulais dire c'est que ça nous ressemble dans le sens où en tout cas <laughs> je me suis attendue même moi comme quand on s'est vus puis que dès qu'on qu'on s'est mis à passer du temps ensemble c'est une phrase que j'ai dit souvent là, mais c'est que j'avais pas envie d'être ailleurs mm -hmm. j'avais juste envie ouais, d'être mm, j'étais comme pourquoi j'irai ailleurs si, si, si c'est avec, si, avec oui, lui je que le... je suis bien là j'ai aucune raison de m'en aller là ouais. mm. donc euh... ouais, voilà. oh, c'est beau oui, j'ai voilà. mm. de quoi de moins beau yeah mon amour tu nous notre première date j'ai choisi deux dates qui ont un peu un lien avec le cinéma mais pas énormément okay. alors euh, voilà tu veux pas faire lire Sophie Oh j'en ai est une lecture à vue. Oh. j'en ai une qui est vraiment longue par contre. Okay. Qui, est, qui a un peu un lien avec. Euh, j'ai choisi par exemple. mais okay, ben je vais casser la glace puis voilà. Alors j'ai écouté le podcast deux princes où Philippe Audry incite les filles à envoyer les dates qu'elles ont eues avec le genre de gars qui écoute Scarface au premier degré. Peckmoey. <laughs> Envoie-ci une assez troublante. Est-ce que est-ce que vous aimez Scarface? Je l'ai jamais vu. C'est vrai hein? C'est pas dans votre C'est un remake, tout le monde. C'est un remake. C'est vrai que c'est un remake. Ok, important de noter qu'à l'époque, j'avais 16 ans, je sortais dans les bars avec mes amis plus vieux. Un soir, je sors avec une amie, mon frère et d'autres de ses amis à lui. Moi et mon ami, on va creuser des gars beaucoup trop vieux pour nous. Très seul, je finis par cliquer avec un gars. Je l'écoute parler du groupe Queen, en disant que Chris, genre, c'est malade Bohemian Rhapsody avec l'opéra puis toute. Tu t'en es-tu daté des gars? Oui, à ce moment-là, son manque d'intellect ne me dérange pas. Il ne m'importe pas vraiment. Je veux simplement de la compagnie. On finit de parler et on échange nos numéros pour finir la soirée. Je vais voir mon ami et deux secondes plus tard, je vois mon frère aîné en train de parler avec lui un peu agressivement. Littéralement, j'ai parlé au gars dix minutes. Mon frère le retient dans un coin pendant 20-25 minutes. Cool, frère! Ils finissent par se serrer la main comme s'ils venaient de négocier ma dot pour me donner à marier. Mon frère vient me voir et fait ah. juste me dire pars-y plus jamais. Donc évidemment, je continue à parler aux gars les jours suivants. <laughs> <laughs> Loves it. On se doute déjà que j'aurais dû écouter mon frère. Il est de plus en plus louche. Le soir même, quand il est revenu du bar, il a supposément croisé des gars méchants. J'adore. Lui aussi, c'est un scénariste. J'ai croisé des gars méchants. <laughs> il a foncé dans un poteau de téléphone et c'est comme ça que s'est cassé le poignet. Quoi En euh... char ou à pied J'imagine. J'y souhaite à pied. Ah non, mais peut-être qu'il marchait plus genre. Oui, ben oui. Devant des gars méchants, on Une grande que au cinéma, Lui avait rien à voir là-dedans, paraît-il. Malgré tout, je continue de lui parler. Il m'invite chez lui. J'ai 16 ans, donc je n'ai pas de voiture. Je ne vais pas non plus demander un lift à mon frère. C'est donc son ami qui vient me chercher. Je suis seule sur la banquette arrière, like a child. OK. Ils font des blagues entre eux et ils semblent commencer à s'importuner l'un l'autre. Son ami freine brusquement sur la route et lui demande de sortir de la voiture. Le gars à qui je parle, le seul que je connais, sort de la voiture en lâchant un petit calice et l'autre continue sa route avec moi et mon anxiété à l'arrière. Il ne dit pas un mot pendant une bonne minute avant qu'il se mette à rire et dise On va aller le rechercher, t'en fais pas. On vient sur la même rue et le gars est sur le bord du boulevard en train de vapoter et de kiquer des arbustes. Ça, c'est bon, ça. Okay. Ça, 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 ça c'est voilà, oui, ah, okay. du grand jeu d'acteur. Je ne sais pas ce que ça pense. Oui, oui, oui. oui oh. ben, c'est bon. <laughs> Vapoter en kickant des, des arbustes. C'est pas tout le monde qui va bien. Non, ça, c'est clair. Mais pas on a des défis. <laughs> Arrivé chez lui, on doit passer par la fenêtre du sol de sa maison pour ne pas réveiller maman, comme il dit. Oh. Il ferme la porte et me dit de ne pas entrer tout de suite. Il doit faire le ménage avant. Je suis dans une cave humide avec son ami qui est encore dans là. Dans une cave humide. Ah, Ils sont au sous sol, mais j'imagine ça sent. Il y a des sous sols qui sentent. Comme tout le ouais, ouais, ouais. Quand il ouvre la porte de sa chambre, je suis simplement découragée en me demandant c'est quoi sa chambre en désordre si ça c'est propre. Il y a des vêtements absolument partout. Pendant toute la soirée, ma distraction est d'essayer de compter le nombre de canettes de bière vide ah. qu'il a partout dans sa chambre. Oh mon Dieu. Plus on regarde attentivement, plus on en trouve. Son ami se couche sur le lit. Moi, j'ai droit à une chaise de camping à côté de la chaise de camping <laughs> du gars. Mais c'est quoi le but? Qu'est-ce que Qu qu'elle passe? C'est drôle, il drôle, une tête avec deux gars. Il y en a un qui l'intéresse. Il a, qui suit. Y y a est qui suit. Là, le bras ouais. cassé, rappelons-nous. Il est vraiment furieux d'avoir perdu son emploi de cuisinier pour ça. Alors, il est à côté de moi à aiguiser son couteau de chef en sacrant et en oh, calant des bières. Ça fait, bières, ça fait par vraiment peur. Une ouais. fille seule dans un choo, sol, dans une cave avec, choo, avec des gars qui parlent de Queen, okay. avec des chaises <laughs> spatiaux, de la bière. <laughs> même... je sais pas, je... Il y a beaucoup il <laughs> y a beaucoup de couches là. Qu'est-ce des... qu'elle fait encore là je <laughs> sais je pas. Pas. Ah, ben, Ça c'est le thème récurrent de de, de oui, Qu'est-ce que tu fais ça. encore là ouais, ouais. Oui, oui. Alors, calant des bières qu'il perce avec le dit couteau le tout en hein, me faisant oh, écouter Dieu. Jackass. On a même écouté ça. Mais non. Ça aussi, c'est bon. là, Ça, ça aussi, oh, c'est un grand film. Là. Mais en fait, ça serait cliché comme film. C'est comme. Ouais. C'est pas du tout. moi. Oui, c'est ça. C'est comme il y a trop de. Tu peux juste expliquer euh, y a de quoi d'érotique dans Jackass? J'ai pas du ça. Oh. Non! Quand je t'ai demandé... dit que j'aimais pas ça. Je t'ai dit c'est trop de tu me dis oui, t t as changé de place. Ah non c'est vrai, j'ai dit il y, y a de quoi quand même de spécial d'une gang de gars qui s'amuse à mettons se, se, ouais, se brocher les testicules sur une table. il y a comme un, y a un niveau que peut-être ça leur appartient, t'sais. je sais pas. Oh, entre eux, oui. Pas à nous à regarder. Ben nous, on. Je oh. Attends, de Jackass euh, mais ils ne servent pas beaucoup là. Comme... Ouais. C'est un des. des c'est des... un des. Parce que Il se pètent la gueule. Là, oui, là, oui, oui, je oui, sais, oui, je sais, je sais. Fait qu'une des affaires qu'ils font, c'est se, 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 se brocher les testicules. T'as pas vu ça ben, C'est ça. Vous arrivez ouais. voir ça C'est aussi ça. C'est un nom. Juste. Ah wow. Bon, malheureusement. J'ai la bonne idée d'y retourner le lendemain. Toi qui se demandes qu'est-ce qu'elle fait mais encore. Ouais, vie? Ouais, non, mais mais comment toi, est elle est sortie de là On ne le sait pas. a avec. Non, je pense qu'elle juste. A, a, a C'est le genre de party on va dans un sous-sol, on écoute Jackass, on parle fort, on vape, on boit de la bière. À partir d'une certaine heure, je te ramène chez vous. OK. All right. Bon, moi, ils l'ont ramené chez eux. Alors, cette fois-ci, le lendemain son ami ne fait que me déposer et on entre encore une fois par la fenêtre ah oui rentre par la fenêtre la du sol soirée netflix and chill des plus charmantes sur son lit qui manque cruellement de nettoyage juste en dessous du poster de scarface noir et blanc avec la partie blanche qui est plutôt crème maintenant elle décrit bien hein oui elle décrit très bien oui décrit bien il mmh. décide de mettre le film 40 ans et encore Puceau pour une raison mmh. obscure. envoie un message. Les films, La sélection est très bonne <laughs> pour une raison obscure que j'ignore. Thomas peut sûrement trouver un lien de causalité très logique entre l'adoration d'un jeune adulte pour Scarface et mettre ce film pour essayer d'avoir une relation sexuelle. Ça a tu marché Finalement, on finit par coucher ensemble. Sous la trame de fond de Steve Carroll qui se fait épiler, rappelons-le. Là commence le rapport sexuel le plus malaisant de ma vie. À l'époque, je suis une lesbienne qui veut se convaincre que c'est le fun de coucher avec des hommes, donc je trippe pas fort de base. Dans le fond, excusez, c'était ma dé. C'est ça. <rire> <rire> voilà. Je, je comprends <laughs> que vous trouvez que c'est bien écrit parce que c'est moi qui l'ai. <laughs> <laughs> Son plâtre parce qu'il y a le bras cassé me, ra me, me rappe partout. J'en ai pas des... Lesbienne, t'es fou parce que tu couches avec un gars qui, qui a cassé deux pas... mains. <laughs> <laughs> oh mon dieu. Il me doit agressivement à... pendant 30 à... secondes et je laisse échapper un A de performance pour son égo. Bah o! Bon. il faut arrêter de faire ça, là, Il ne voudrait oui. pas que son ouais. égo soit atteint. Ben non. Ben non. J'avais jamais pensé à ça. L'ego mmh. de ce qui... pauvre homme, fan de Scarface. Mais oui. Il s'arrête automatiquement et me demande si j'ai orgasmé. C'est sûr que la phrase c'est T'es-tu venu? C'est sûr, c'est ça. Hey, t'es venu, il T'es-tu venue? »« Oui, je suis venu. Comment je peux te croire que t'es actrice? Ah oh. mmh. non. On en des <laughs> gars. <go> <laughs> <go> <laughs> 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 Moi j'ai un chum qui m'a déjà dit Je peux jamais, je peux jamais te croire parce que je sais que tu joues bien. Fait que je sais jamais si t'es vraiment bien dans une situation ou pas bien et tout ça. Puis j'étais comme je savais pas quoi dire parce que c'était un peu vrai. Que wow. des fois je faisais. Mais par contre, en, en, en dehors d'un de, de, truc plus intime, là, juste quand je rencontre des gens, ouais. oui, il y a des gens qui se méfient parce que je suis actrice, ouais. qui ont peur que. Tu veux-tu être tellement euh, sincère avec eux Oui, ou que je ne sois ouais. pas vrai, ils sentent. Euh, comme, ils tu l'instues, là? Oui, c'est ça. Tu ah. ah. C'est ça. Ah. Un peu comme un humoriste qui ne ouais, te demander une joke. Ouais. C'est ouais. ça. Ouais. Pourtant, je, en tout cas, je trouve ça drôle parce que j'ai tellement d'amis acteur. Puis, au contraire, je trouve les acteurs, ce pas des gens qui, qui mentent, c'est des gens qui, mm -hmm. au contraire, qui, sont assez, qui ont de la misère à mentir. Moi, vous n'avez sont... pas beaucoup de filtres, même, Non, qui n'ont qu pas de, de filtres. Ça. Où vous jouez tellement tout le temps que dans la vie, tu es toi, c'est ton moment où est-ce que tu peux être toi-même. Tu passes tes euh, jours à être quelqu'un d'autre, tu passes tes soirées au théâtre à être quelqu'un d'autre. Imagine, si dans la vie, en plus, tu jouais un rôle, Manet, tu comme si tu jouerais fou. Quand est-ce que tu es toi-même dans tes, Jamais, dans tes ouais. rêves euh, que, dans le haut-sport oui, en, <laughs> en <maillot. rire> donc alors il s'arrête pour me demander si j'ai orgasmé évidemment que non il me demande ensuite si je veux le sucer c'est à quoi je réponds non merci <laughs> non, merci. C'est merci c est, c est pour rester poli. Je vais hein. passer. Il me relance ensuite en me demandant si je veux le masturber. Je lui rétro rétorque cordialement Ah, oh, ça va, je suis correcte. Ah. Le moment continue et c'est très, très fade. Je réussis à suivre un peu le film au moins, ça me change les idées. <laughs> Mon Dieu. Je l'aperçois un moment, il vape en cachette en même temps. J'adore ça. En hein? même temps qu'ils font la. ben faire oui. l'amour. Je sais pas si c'est peut-être un. Ouais, film. Ouais. il y a pas il écoute un film. Il écoute un film. Ok, ok. Il non, un mais. Film. Ok, mais tu penses que le, les bas est fini? Il ne oui. semble pas trop pressé. Quand, quand le il a le demandé, veux tu veux-tu me branler? Elle a dit non, je pense que fini. C'est fini. Là. Ok. <laughs> L'impression, le rapport sexuel. Est... Après cette soirée malais malaisante, on s'est étonnamment plus reparlé. Mm. Est-ce que ce gars est un bon échantillon de l'auditoire de Scarface? Je pense que oui. Il m'en me ressemble. Il On va le God. vape, là. Uh, un uh. poster très populaire à la foire de posters du cégep. avez vous ça au cégep? Quand les, les, oui, oui. les posters débarquaient? Oui, oui, les posters. T'en avais-tu acheté? Non. Non. <laughs> non, non, non. Mais je me souviens de cette affaire-là. Un de mes oui. amis avait acheté l'immense poster de Pulp Fiction, les deux gars comme ça avec le gun. Non, c'est un classique. Des, classique des ou orange, Cégep, là, ouais, orange ouais, ouais. Mé mécanique. Oui, oui. Ouais. Absolument. Ouais, ouais. Absolument. Puis je me souviens, un de nos autres amis avait dit Voyons, pourquoi je suis tout le temps angoissée dans ton salon? Puis il était comme, peut-être, parce que j'ai deux gars qui <laughs> me pointent avec un gun. <laughs> hey, excuse-moi, moi, mais moi genre, euh, je, je, je. Tu sais veux débriefer? Non, mais <laughs> c'est tellement minable. Oui. <laughs> Épouvantable, en fait. Des, une fois... soirée. Des... Deux. Deux <laughs> Deux soirées. Deux. Douze soirées. Est-ce que je suis lesbienne aujourd'hui? Ça, ça m'intéresse. Ben, j'espère. À l'air. J'espère parce que la façon dont ben, elle, elle, elle a fait la poésie, c'est. Parce qu'elle dit à cette époque, je suis une lesbienne qui veut se convaincre ah, que oui. c'est une de... Ah oui, de... donc. Ouais, L'époque est révolue. Ouais, 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 ouais. Ouais. Hum. On est dans le lesbienne ouais. era maintenant. Moi, je ne sais pas si elle est vraiment gay ou juste elle pense que c'est ça un hétéro. Non, je pense que c'est plutôt clair. Puis maintenant, elle look back puis elle fait c'est un comique. Essayez, hein. Sûrement, ouais. je la connais. Le milieu. C'est malade. Sauf les franco ontariens Tout le monde te connaît. C'est deux groupes que tout le monde te connaît. C'est fou. Exactement. Là, mm. Moi, j'ai les deux maintenant. Je suis lesbienne et avec une franc-ontarienne. C'est comme... des clubs très exclusifs. <laughs> des clubs VIP, exact. <laughs> mais pauvre gars aussi. Je veux dire, ça ne doit pas être facile d'être. D'être ce ouais. gars-là? Pour, pour avoir été ce gars-là, c'est très facile. Je pense c'est ça. Je ne pense pas que lui, quand il finit la soirée, il fait comme Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Je pense qu'il est content d'avoir écouté un petit film qu'il aime et il va à fond. Il a appelé ses mmh, en disant mmh. Tu sais pas qui c'est qui a eu du fun à soir. <laughs> la <rire> madame, ST... Mais clairement, il y a de la misère à connecter, ce gars-là. Il avait 16 ans aussi, right? Hein? Oui, ouais, lui, il a 16 ans. Non, non, elle, a 16 non, non, ans. Non, elle lui, il a peut-être 22, vieux. 23. Okay, là. Ah non, il a beaucoup de personnes. Il est vieux. a dit Je sortais dans les bars avec mes amis plus vieux. Ah ouais, ok. Il a un job, il travaille. Il ouais, ouais. Ça, c'est une longue date. Qui est plutôt bien écrite mais qui est éveillée. Veux-tu aller, mon amour, Je ou veux-tu t'aventurer? Veux Je veux m'aventurer. Oui. C'est éveillé. C'est éveillé, mais c'est rien de mal. Il n'y a, a personne qui souffre. OK. Bonjour à tous. J'ai pour vous une petite date, fraîchement arrivée et quand même comique. Mise en contexte, <laughs> juin 2023. Ça fait pas longtemps. Wow. Je suis une femme de 27 ans, célibataire depuis environ 3-4 ans. J'habite en région, dans un petit, villa, un petit village non loin des fameuses visites de VR à Steph. À euh, euh, Saint-Tite. Parce que quand je suis allée à Saint-Tite, oh. j'ai visité. A, euh, les gens à Saint-Tite, quand ils vont à Saint-Tite, ils vont en véhicule récréatif. Et là, il y a oui. une mère de véhicules récréatifs. Oh. Et il y a des représentants de véhicules récréatifs. Et tu peux les visiter. Et c'est une activité que j'ai faite. <laughs> Dans <laughs> mes veilles. Voilà. Dix en cowboy, cochon. Dix en cowboy. Cochon. Et cow dix -en cow euh, oui, Co euh, avec la des comme ça. Là, où, euh, oui. Je parle avec un jeune homme de Montréal depuis deux, trois semaines grâce à Facebook Rencontre. <laughs> bonhomme en forme, responsable, autonome et avec un bon sens de l'humour. Bref, je l'ai rapidement invité à venir passer un week-end chez moi. Tout s'est bien passé, les conversations manquaient d'entrain, mais le sexe, le sexe était insane. Avec euh, en lettres majuscules. <laughs> parenthèse, je suis pas habituée de dater des gars de gym, mais ça a de l'endurance en est. ces là. Fin de la parenthèse. Ils ont du cardio. <laughs> Donc, on s'est pas bien bien parlé, puis on a baisé toute la fin de semaine. Fin de la mise en contexte. On prévoit, <laughs> se revoir. Oh oui, beaucoup de fois. On veut m'inviter. Oh, ouais, chez... oui, 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 oui. On veut, veut m'inviter chez lui à Montréal pour une fin de semaine. J'accepte de donner une deuxième chance. Tout d'un coup que la chimie passerait à la deuxième date. Puis au pire j'aurais du bon sexe encore une fin de semaine. Au oh, pire. J'arrive donc à Montréal. La route se passe bien. On se rejoint dans un parc. Il fait beau mais tellement chaud. On s'en va donc chez lui. Mm -hmm. Très peu, en majuscule. Très petit appartement, mais vraiment propre et bien décoré avec pour un seul gars. Après seulement dix minutes qu'on est arrivé, ça part. On baise. Parenthèse, le silence devait être trop lourd. Oh, <laughs> il discute vraiment non. pas. Il <laughs> oui. <laughs> <on rit>, <laughs> rien à se dire. Une fois terminé, on discute un peu pendant qu'il se met à préparer le souper et il me demande s'il y a une place que j'aimerais visiter à Montréal. Sans réfléchir et un peu pour rire, je garoche le cinéma, l'amour. <laughs> Ben, Vierge, il dit, let's go. Il n'avait aucune expérience du genre, moi non plus. On s'est renseigné un peu sur le site web, on discute de nos expériences passées, d'échangisme, etc. Puis après souper, on est parti à l'aventure, direction l'un des plus vieux théâtres de Montréal. Je n'irais pas qualifier le cinéma L'amour comme le plus vieux théâtre. Hein? Ben, oui, c'est vrai. Oui, oui c'est vrai. Mais, mais c'est pas, pas ça qui me Moi, j'ai déjà tourné deux projets là-dedans, on s'en reparle. C'est pour, oh! pour ça que j'ai oui. Avec des équipes de nettoyage, le hors-pas. Oh mon bien. Dieu, oui, j'imagine. Ah. En tout cas, euh, j'étais vraiment. Je connais ça. Je connais ça. <laughs> oui, oui. On s'en le, le regard lourd <laughs> Ben vu c'est comment Mais c'est dégueulasse. J'aime bien qu'elles disent un Non, mais il y avait une scène dans le film Henri Henri, mon personnage est aveugle, puis il faut que je nettoie le plancher. De... tu sais, ça tout. Puis on me dit, non, mais tu il y a comme une équipe de nettoyage spéciale, ouais, mais l'odeur, oh. euh, les tâches, euh... oui. puis, ça tout, puis de... tout ce que ton imaginaire peut générer ça. comme image. C'est ça, euh, parce que mon ouais, personnage est aveugle, hein, pas toi. Exact. <laughs> Sinon, c'était dans C'est comme ça que je t'aime, saison 1. On est tous là en train d'écouter un film. Ils nous ont mis un film pour nous aux années 70 avec un qui le plus. Gros pénis qu'on n'a jamais vu, on t'as pas dit, mon Dieu, mais c'est un... un filet de porc. <laughs> c'est ça qu'on se disait. Fait que, on a beaucoup ri, mais euh, c'est ça. Donc on a passé, j'ai, ouais, une bonne journée dans ce cinéma, faire des scènes. Donc, C'est ce que j'allais dire on, le deuxième étage, par contre, est très. C'est pas la même chose. Le premier étage, ah mon Dieu. Est-elle allée au deuxième étage Le premier étage, c'est la salle de cinéma. Ok parfait. Ok, ben un suspense, moi je suis jamais allée. L'un des plus vieux théâtres de Montréal. Bon, J'étais oui. vraiment stressée et d'avoir proposé ça. En plus, on a pris le métro. Pour une compagnarde comme moi, c'était une partie de l'histoire qui me stressait le plus. Tu <laughs> <laughs> vois, oh, puis... oh, métro, t'aimerais pas le cinéma l'amour. Mais si tu penses les que le métro germes, est sale, les germes, Oui, euh... non, mais je comprends. Mais fait, <laughs> oui, mais... <laughs> oh mon Dieu. On, nous arrivons au cinéma l'amour. Une Chantal, 56 ans, se tient derrière le comptoir d'accueil. Elle ne parle pas un mot français et prend seulement l'argent cash. La seule phrase qu'elle arrive à nous dire, c'est Guichet, là, là. Michel, okay. là, là. En tout cas, c'est dit, la phrase. Ah, là, est déjà, ouais, ouais, ah là, là, là. il est là, là. Un homme louche, mais sympathique, nous fait visiter les lieux. Nous montons au deuxième mm. étage, où il nous explique que c'est le VIP privé pour les couples. Il oh. fait humide et noir. J'ai la difficulté à respirer. On est en pleine canicule <laughs> et il n'y a pas de clim. Arrivé au balcon, il <laughs> y a plein de divans. Il y a plein de divans. OK, excuse-moi. Je ne comprends pas ta phrase. Il y a plein de divans, un à côté de l'autre. Où l'on peut s'asseoir, mais personne n'y est. Un étage plus haut, il nous explique que ce sont des petites cabines encore plus privées, avec actuellement des couples à l'intérieur. Juste la cava. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste la cava. là ça va. Que... Ah, jusque-là, ça va. Mais ça, oh. euh, ça va être écrit comme okay. Comme un bon petit cava. La, la... <laughs> la, la grande force de Steph, c'est de régler les. Ouais, est... les... Euh, je oui, fonds... excuse-moi, ouais. je t'ai dit. Jusque-là, ça va. Il fait tellement sombre, chaud et humide. J'ai à peine le temps d'observer qu'on redescend pour aller visiter la grande salle. Une fois redescendu, il ouvre les portes qui mènent au rez-de-chaussée et nous entrons sur le bord du cadrage de porte. 30 personnes, en grosses lettres, se revirent <laughs> pour nous regarder, mais je ne vois absolument rien. Je suis seulement envahi par l'odeur de sexe et de sueur qui vient en même temps que l'ouverture de cette porte. L'homme nous explique qu'actuellement actuellement, se passent trois événements. Trois. Donc, ouais. okay. En nous pointant les petits groupes dispersés dans la salle. Exhibitionnisme, gangbang et bukaki. <laughs> What? Je dirais pas un party, hein. C'est assez, <laughs> assez connexe. Okay. Oh, monsieur. Moi, je m'attendais, genre, je sais pas, c'est le festival de oui, oui. l'érotisme. Tu sais, oh, je non, pensais, que tu comprends, <laughs> un film de l'art. Euh, oui, oui c'est oui. ça. Oui, exactement. <laughs> Cinéma érotique du Québec 65, à 75. <laughs> Elle dit c'est trop pour moi je recule en me concentrant fort pour ne pas vomir face à l'odeur mm -hmm. mon compagnon s'occupe de discuter avec l'homme et la femme et 60 dollars plus tard nous avons un VIP privé en haut à l'abri du zoo au rez-de-chaussée mm. nous remontons les escaliers cette fois seulement nous deux pour nous rendre au dernier étage pendant qu'il nous installe avec des draps propres dans l'une de ces cabines je vais à la salle de bain je rappelle ici qu'on était en pleine canicule mm. en fond, qu et qu'à l'intérieur de la bâtisse il fait il doit faire 45 degrés avec toute l'activité physique qui s'y passait. Je suis donc allée me rafraîchir un peu. De retour avec ma date, je me rends compte que la salle de bain était plus spacieuse que cette cabine privée. Mm -hmm. C'était une espèce de pièce rectangulaire où rentre seulement un sofa de place et quand tu es assis, tu as les genoux dans le mur de devant. Oh mon Dieu! Dans ce fameux mur, il y avait une, une ouverture rectangulaire qui nous permettait de voir le film porno qui jouait et permettait aux voyeurs du bas de se mettre dos à l'écran et de nous observer. On ne pouvait pas vraiment se cacher. On avait les genoux dans la fenêtre. Donc, ah. on a commencé à, à faire ce pour qu'on est venu, vivre une nouvelle expérience. Il <laughs> <On rire> n'abandonne ah. pas, c'est <laughs> génial. Oui, c'est ça. Oui. Ah. ils ont payé 60$ aussi. Quand même. 90$. 30$ pour rentrer, oui, 60$ ben oui, pour. Oui, c'est vrai, ouais, merci. On est Moi, je vais être cheap <laughs> dans la vie. Moi, je ne me dirai jamais. Mais j'ai payé 90$. Ça fait que là, on fait l'amour de ma. Non, je ne ben pense ouais. pas. <laughs> moi, J'ai perdu 90$. C'est oh, correct. On est tout pogné, on se cogne sur les murs qui sont collants de chaleur et d'humidité. Oh, le marre. maudit ventilateur qu'ils ont laissé ne marche pas, il n'y a pas de prise. On finit par pas tenter de passer le fil par le trou de la fenêtre pour le brancher dans une prise à l'étage plus bas. L'air est dégueulasse, on dirait que c'est pire. J'ai de la soie qui me coule dans le dos, je stresse, je me sens poigné. Il y a huit personnes qui me fixent en bas. <laughs> <C 'est dégueulasse. rire> on se déshabille, on fait ce qu'on a à faire. Ah oui. C'est loin d'être bien, bien romantique. On mm -hmm. passe notre temps à replacer les couvertes qui glissent. Ben oui. On ne veut surtout pas toucher le divan en dessous. On se conne partout, les pieds par la Attends. OK. On se conne partout, les pieds par la fenêtre. les, les, les pieds par la fenêtre, Let's go. Excuse-moi, il y avait une drôle de syntaxe. On entend le couple d'à côté. Ça m'excite un peu, ça. <rires> <rires> ah! je, je vais le dire. <laughs> ça m'excite <'accepte> un peu. <laughs> à un moment donné, il me dit Tu veux-tu que je te fasse squirt? J'accepte. Et il me fait venir comme jamais je suis venue auparavant. Un torrent de libération de fluide. Wow. Et ce n'est pas ma première éjaculation féminine, mais sans doute donc la plus impressionnante. Mais bravo! Ben, tant qu'elle hein, fait. Faisons le ouais. au théâtre! 190 un... <laughs> <96 dollars>, bien <laughs> mystique, hein? Nous finissons notre besogne et on se <laughs> rhabille. Encore une fois, de façon très maladroite, pognée dans ce petit cubicule. Et en plus, on est trempé de sueur. Difficile de remettre les vêtements. J'ai une seule envie, sortir d'ici et respirer l'air d'extérieur. De son côté, monsieur. Bon. Se rend compte en remettant ses pantalons. Lorsqu'il m'a fait squirt, j'étais assise dessus. Oupsi. Ah, OK. Ah. Il, il devra euh, les porter ainsi pour le chemin du retour, avec une grande trace de mouillé sur la fesse droite. Nous redescendons pour, nous redescendons pour sortir. Et l'arrivée dans la lumière de l'accueil est assez malaisante, les yeux à moitié fermés, aveuglés. En plus, de nombreux clients, un homme seul dispersé dans la pièce qui nous fixe. Comme ils nous attendaient, ok. Excusez-moi, je ne comprends pas la phrase. Ils fixent comme ils nous attendaient. Ouais, il y a une virgule ça. de trop. Ok, hommes seuls, homme... Ok, il manquait un s. Donc c'était des hommes seuls dispersés dans la pièce oui, qui il... nous ah, fixent. Oui, mais mais c'est pas, pas, crois pas que les femmes. « Comme ils nous attendaient. Ok. Ouais. Je pense que es la seule femme dans l'édifice, avec Chantal. Non, mais des fois ils vont. J'ai une amie qui est allée là. Non? Oh, ouais. Non, pas longtemps, non. Hein? Oui, oh oui, L'autre du, dé, du début nous demande comment était notre expérience. On répond rapide, bien, bien, merci. <laughs> et on se sauve. <laughs> à l'extérieur. Je me sentais comme une ado qui sort de sa chambre avec son petit chum et qui passe devant la visite, qui se moque et, et qui les taquine. Mm. Rendu à l'extérieur, on marche vers le chemin du retour, puis je lui demande comment te trouvé ça, et, et lui de me répondre, bof, je suis déçu. moi, je voulais pogner d'autres boules. <laughs> On a pogné 60. Hey, je je on... pas vu venir celle-là, <laughs> oh Mais pourquoi il est pas resté dans un des trois événements y avait ben, je au je pense pas qu'il y avait des mon amour, je répète, je pense pas qu'il y avait des boules. Il y a pas de oh. On a payé 60 pour faire la même affaire qu'on aurait pu faire chez nous. Tu dis le gars. <laughs> Okay. Oh, je suis assez d'accord avec lui pour le montant, qui n'en valait clairement pas la peine. Mais je ne savais pas que sa satisfaction reposait sur l'échangisme, qui n'avait pas eu lieu finalement. <laughs> nous avons fini la soirée par une crème glacée sur Saint-Laurent et rendu chez lui une bonne douche suivie d'une autre baisse, à l'air clim, cette fois. Ce qui résuma aussi le reste de notre fin de, so de, notre fin de semaine, deux points, du sexe. À la fin de ce week-end, nous, nous avons mis fin à notre dating par manque de chimie autre que sexuelle. Ça fait loin Montréal pour un sex friend. Morale de l'histoire, deux points. Le cinéma, l'amour, en canicule, c'est non et ça pue. <laughs> euh, oui. On a quelque chose. Bon, mais, euh, oui. Je oui. m'excuse d'avoir ouais. buté. Ben non, ben non, oui, oui. non, 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 non t'as C'est épouvantable. C'était. Merci pour cette lecture. Ouais. C'était. Ben merci à cette fille, je sais pas le nom, qui pour. On peut pas le dire. Ce moment de vérité. Hey, mais pas être, pas être euh, fraîchement arrivé à Montréal puis commencer de mon amour, woo! Mais y a plus euh, rien qui peur. Parce que comme l'idée, l'idée est bonne. Parce que tu penses que l'idée est bonne, mais ouais. dans le concret, c'est là que le bob laisse, comme on dit parfois. Un... Toi t'es jamais allé là? Non. Mais je crois qu'il y ait des douches. des. Oui, c'est oui, Je pense que c'est dur à installer, puis je crois que toute l'industrie du sexe si tu as vu que c'est une pulsion, tu n'as pas besoin d'investir. Les gens en ont ouais. besoin, fait que tu... Euh... Ah, tu veux dire, au niveau de l'entretien. Ouais. Non, mais j'avais l'impression il n'y a pas de douche, tu sais, comme... Tu rentres, tu prends une douche, puis après, comme, comme dans les saunas dans les euh, en Europe. Là. Ouais. Pas les saunas euh, sexuelles, mais juste... La ouais, ouais. peste, tu sais, ce ouais, genre puis de... J'ai l'impression que ça, ça appartient à des gens qui ne veulent pas l'expérience, clients. Ils veulent juste l'argent mm -hmm. que le client part. Ça mm. date de quelle année, l'amour. Longtemps, je me demande. C'est ça, mais peut-être qu'ils veulent, c'est ça. Ils font comment Non, il n'y a pas de douche si on regarde l'aspect historique. Je c'est le l'amour. Il n'y a rien d'amour de, de, là-dedans. Là. Non, mais tu sais, rénover des bâtiments patrimoniaux, c'est difficile. C'est peut-être... Tu peut as des permis, C'est tout... peut-être ça. Je ne vais pas les défendre qu'il n'y ait pas de climat, pas de douche. Mais elle <laughs> a raison qu'il y a une odeur là-dedans qui est quand Genre même assez impressionnante. C'est de... sûr. puis le vieux oui. bois aussi, déjà, ça Il y avoir tourné, là quand même, ça C'est dur se concentrer parce que tu dis... Oui Ouais. C'est à ce point-là. Là. Oui. Mmh. Qu'est-ce qui est pire, l'odeur du cinéma L'Amour ou l'appartement d'Emma avec la peinture toxique pendant ah, Les <laughs> Jours heureux? C'est peut-être l'appartement. Oui, peut-être l'appartement, c'est je pense. <laughs> les filles, merci tellement pour votre et temps merci, et votre merci. générosité, merci vraiment. Merci. Donc, Les Jours heureux sort au cinéma. On est en octobre 2023. Là, des fois, les gens écoutent ça en deux spots, mais un peu comme un film, ils peuvent écouter ça plus tard. Donc, on l'attrape au cinéma si on peut. Sinon, on l'attrape où on peut après, donc, plateforme de suivi. Je au cinéma. Oui, je, je sais qu'on dit oui. souvent ça, mais ouais. c'est vraiment un film que tu... C'est une expérience euh, sensorielle, je trouve, mm. le film, au niveau du son. Euh, ouais. Mais on parlait bon, de la proximité avec le personnage. Fait que Je, je pense que ça vaut, le, ça vaut le coup. Ça vaut le coup du ouais. grand écran. Ouais. Merci énormément. Puis on vous suit dans vos autres projets aussi, vos futurs projets. Donc, certains sont annoncés d'autres secrets. secrets. On s'y est euh. au courant. Sur vos réseaux sociaux, ça vous tue? -tu? Est Est-ce que vous êtes oui, des. Moi, je suis sur Instagram. Oui, moi aussi. Oh, je, ouais. Des fois, je tiens au courant. Je, ah <laughs> je, mais moi, je suis vraiment, je suis vraiment pas très, euh, je suis pas très euh, bonne Église. dans tout ça. Non. Ça. Mais oui, des fois, je tiens au courant. Parfait. Oui, des fois, <laughs> fois. Moi aussi, je m'en viens <laughs> meilleure. Est-ce ouais. que tu es bientôt? Oui, je joue, en thé je joue au théâtre en décembre dans Deux femmes en or à la licorne. Chouette! Mais c'est déjà complet. Ah, chouette! Mais bravo! Ça, ah, oui, ouais, merci. Mais on va faire une tournée l'année prochaine. Oh, ah, bien. bravo! On va faire comme, dans tout le Québec. Fait que les gens vont pouvoir voir la, la pièce. À ce très chouette. Je, je suis sweet. très, très jaloux des humoristes des années 70 parce qu'eux, ils faisaient de la maple, por la maple porn. Maple syrup porn. La maple syrup. Deux femmes en or, ce qu'on appelle de la maple oui. syrup porn, c'est un... un, un, un. C'est un mouvement cinématographique. Le cinéma québécois euh, euh, érotique. érotique ouais. Donc, mmh. ça s'appelle, dans, dans le jargon, le maple syrup porn. Il y a des humoristes mmh. qui jouent là-dedans. Puis nous, en 2020, c'est des podcasts. Oui. <laughs> je mais, mais je fais euh, le, le, la, le, la, le remake de Deux femmes en or. Oui. Il y aura peut-être des humoristes. Oh! <rire> <Yeah>. <rire> <C 'est rire> Merci beaucoup! Merci. Merci.